hurt anyone, you're after the bank's money, not yours. Your money is insured, you hear? You're not gonna lose a cent. Think of your families. Don't try to be a hero now. You just shut up, stay cool, stay down, and this will be over in no time. Oakless qui vient de recevoir 8e mois parmi nous, merci Sarfiros 13e mois et merci Musaren 31e mois. Merci KG 16e mois, merci à toi. Merci Brice H84 45e mois parmi nous, merci à toi. Et merci Mister Dawa, 16e mois. La 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 la. Je me suis trompé, merci Mister Dawa pour 46e mois, Salmon pour 14, 16, je ne sais plus, et merci à Silvery, 2e mois, merci à toi, yeah. Aujourd'hui, FAQ projet, on parle, et c'est important parce qu'il faut parler. Mais avant... We'll be right back.
me met en joie cette musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avec cette caméra de l'enfer qui ne veut jamais fonctionner correctement. J'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 14h14, très exactement, lundi 13 mai 2019, 14h14, j'espère que vous allez bien. Merci aux resubs qui ont été faits. On vous remercie dès maintenant, merci à Brissage84, merci à KG, merci à Musarel, merci à Sarfiros, merci à Mister Dawa, merci à Silver02, merci à Salmon, à Brindidiou, merci à Lapin, merci à Christus, merci à Noros, merci à Drabael, merci Canlif, merci Finchtamo, merci à Sabanur, vous êtes des fous, merci pour vos resubs, merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous sommes censés, je l'avais annoncé, faire du GTA RP en live, et en fait, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on parle. Là, chez toi, t'es pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je n'arrête pas Internet, ce n'est pas prévu. Mais j'ai eu ce besoin de parler de projets, de FAQ pour répondre à vos questions. Parce que je fais un constat. Enfin, le mec est en psychanalyse, quoi. Je fais un constat sur les 10 dernières années que j'ai quasiment sur Internet. Et je vais être franc avec vous. Je me fais chier. Non, mais c'est pas méchant, mais je me fais chier. J'en arrive à un moment où je suis en train de me forcer, non pas de liver, mais de liver pour vous plaire et donc gagner plus de sous. Et c'est pas un truc qui me plaît. J'ai envie de vous éclater. J'ai envie de m'éclater et de vous éclater. En fait, de ce que j'ai commencé à la base, en fait. Faire un truc parce que ça m'éclate et fédérer des gens qui font « Ah putain, c'est drôle !» Ou « Ouais, putain, qu'est-ce qu'il est con !» Tu vois ? Et pas envie de faire un truc en me disant « Comment je peux gratter tant de subs de plus ?» Merci, Inarkia. Ina. Bon, par contre, je ne saurais jamais prononcer correctement les pseudos. Merci, Waniel, qui vient de resub 16e mois. Merci à Inarkia. Merci à 3e mois parmi nous. Merci à Saber, 46e mois parmi nous. J'ai pas dit bonjour au chat, putain, mais quel con. Bonjour, le chat. Salut, Balou. Salut, Shanasuna. Salut, Christus. Salut, Mister Dawa. Salut, Kureller. Salut, Argent Kazar. Salut, Tagona. Salut à toutes et à tous. Bref, donc, je me suis dit, nous allons parler de FAQ et projet. Plutôt... Ah, salut YouTube! Voilà, qui va encore gueuler. Oh, mais il n'est pas content, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si, justement, je suis content. Ça change, tiens, pour une fois. Je me suis dit, merci, Skolnir le loup, 6e mois parmi nous, merci à toi. Déjà une demi-année, merci pour ton resub. À un moment donné, fais ce que t'aimes, même pas de questions à se poser. Ouais, mais tu te la poses. En fait, je me suis rendu compte que, là, récemment, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, dans mon boulot, parce que, rappelons-le, c'est mon boulot, oui, mon boulot, c'est d'aller chercher aussi des gens à fédérer, qui vont sub, qui vont ceci, faire des OPSP, etc. Ce qui me permet de manger, puisqu'on a tous un taf pour manger, normalement. C'est normalement le principe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je finis par faire des trucs qui sont pas le calcul. Le calcul est simple. Qu'est-ce qui me fera prendre le plus d'abonnés afin de grossir mon salaire? Ce qui est totalement débile en soi. Parce que de ce fait-là, je finis par faire des trucs qui ne me plaisent pas. Donc, plutôt que de dire « Tiens, il y a une grosse attente sur mon retour sur GTA, machin bidule », je me suis dit « Il faut qu'on parle, c'est important de parler. » Et puis, au-delà de vous dire la vérité, c'est-à-dire que je ne vais pas me leurrer moi-même, et je pense que ça doit se voir. Ces derniers temps, je suis un peu ronchon. Ronchon pourquoi ? Ronchon pas parce que j'aime pas ce que je fais, mais parce que, à un moment donné, tu es tellement dans ta routine de caster, choses comme ça, j'ai prévu si, on le sent que tu veux pas revenir sur GTA, et bah pas du tout, j'ai envie de revenir sur GTA, mais j'ai envie d'aller mieux, c'est-à-dire de pas me leurrer la face et de mettre la faute sur le dos aux autres. Salut mon Fox, Fox m'a rejoint, les copains vont passer tout au long de ce live, etc, sont les bienvenus, comme ça si vous avez des questions, vous pouvez leur poser aussi, mais j'ai... À un moment donné, j'ai envie de m'éclater quand je vois des fois des vidéos YouTube de mecs qui tapent des délires de fous furieux, tu te dis mais putain. Putain, pourquoi je m'enferme ? Parce qu'à la base, je voulais pas faire du tout ça. Je me suis laissé... En fait, l'histoire de moi sur Internet, c'est qu'à la base, je faisais pas du tout ça. Pour me taper des barres avec un pote à l'époque sur Xbox, on a tourné des conneries. C'était avec... Olivier. Olivier et... il va m'en vouloir, c'est pas grave. On était plusieurs, comme ça, on se tapait des barres, et c'était même pas Minecraft, c'était même pas Starvé, le tout début, c'était avec un pote, ça s'appelait les Joueurs du Trône, je sais pas si ça existe encore sur YouTube, regardons.
À tous les coups, ça doit exister, c'est la merde. Les joueurs du trône. Mais c'était un délire de gogolio de bas étage. Ouais, putain, il y a encore les génériques et tout. Ok, cool. Ok, avec Olivier, etc. Bref, c'était, mais alors, pas ridicule, mais si, c'était ridicule. Avouons-le, c'était ridicule. Merci le contrôleur. Excusez-moi, j'ai zappé des. J'ai zappé Skolnir. Merci à toi. Merci à Zippo qui vient de follow. Merci au contrôleur qui vient de recevoir aussi 13e mois parmi nous. Espérons que ça te porte bonheur. Et donc, on a commencé comme ça. Et en fait, moi, je me voyais pas du tout juste taper des barres, en fait, à l'époque. À l'époque, il y avait, Fanta, il y avait Bob Lennon, etc. On se tapait des barres, on se disait, ah, tiens, vas-y, on fait comme eux pour se marrer. Mais en fait, c'était pas du tout prévu à être diffusé à un large public. Alors, ce qui tombe bien, parce que ça, c'est tombé dans l'oubli très, très vite. Sauf que moi, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, comme je venais du monde de la radio, j'étais fanat de tout ça, je me suis dit, tiens, je vais interviewer les gens. Et je me suis mis à interviewer un peu en contactant les gens. Je suis toujours tombé sur des gens très agréables, Bob Lennon, Fanta, etc., les noobs et tout. J'ai commencé comme ça, et là, j'ai été repéré à l'époque par Millennium, par Cédric Page, qui m'a dit, eh, viens bosser chez nous, machin, bidule. Donc en plus il y a eu un micmac parce que c'était contre l'avis du directeur des programmes de l'époque machin. Enfin bref, donc quand je suis arrivé dedans, je me suis retrouvé en face à face. Ce que vous savez pas forcément, c'est que certains casteurs l'ont pris en grippe en mode ouais viens contre nous, alors que moi je venais juste là-dedans en mode mais qu'est-ce que c'est. Donc à l'époque on m'a dit viens à Marseille, tu vas présenter l'E3. J'étais aussi calé en jeux vidéo qu'en couture, ce qui fait que c'était chaud. J'adorais jouer aux jeux vidéo mais j'étais pas un expert. Donc je me suis retrouvé avec Chazy que j'embrasse sur un plateau à commenter pendant des heures du jeu vidéo où j'y bitais rien. Non mais sans déconner, j'y bitais rien. Et j'étais là, je disais... Et alors dès que je voyais une phrase passer dans le chat qui me semblait être intéressante, je rebalançais l'histoire, s'il venait de moi, tu vois, un truc un peu comme ça et tout. Et voilà comment ça a commencé sur Millennium, etc. Et à partir de là, j'étais avec iPlay4U de l'autre côté, j'avais plein de trucs à côté, en fait. Quand j'ai commencé à bosser avec Cédric Page, c'est un peu aussi grâce à iPlay. Et en fait, il y avait Minecraft, il y avait machin, j'ai rencontré Pierre, on a fait plein de trucs. Et alors, il y a un truc que j'ai toujours, que je me suis refusé à faire dans ce monde du gaming et qui fonctionne un peu comme ça, c'est de faire de l'association de suçage de fion. C'est-à-dire que en fait, la plupart des gens qui souvent jouent entre eux, il faut absolument être copain avec tout le monde, faire tous les événements et sucer des fions, style les gens, c'est les meilleurs. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un d'entier. Donc en fait, j'ai pas envie de mentir aux gens quand je les rencontre en mode t'es super, etc. Si je sais pas qui c'est ou ce qu'il fait. Donc en fait, ça pose un peu problème. Ce qui fait qu'en fait, j'ai avancé comme ça. Et je me suis perdu. Et de temps en temps, j'ai eu des projets, je me suis pas donné les moyens. Vraiment, je me suis pas donné les moyens parce que, notamment sur YouTube, j'avais envie de faire des choses. Et je me suis caché derrière, par exemple, le côté « Oui, mais j'ai pas de caméraman. Oui, mais j'ai pas de monteur. Oui, mais je suis pas assez bon à montage. » Mais putain, mais Alex, sors-toi les doigts du fion. Apprends le montage, apprends la caméra, fais quelque chose. Il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas toi. Et en fait, entre ça et puis l'IRL, avec petit à petit les différents soucis de la vie, et puis je vous avoue que j'ai pas eu, ces dernières années, en 4 ans, j'ai eu emmerde sur emmerde. Vraiment, j'ai eu emmerde sur emmerde sur emmerde. Et, mais tu sais, le vrai poissard, quoi. À un moment donné, j'avais même pas de carte d'identité. Pendant quelques années, on m'a refusé une carte d'identité. Il y avait un problème de nom et d'accent sur mon nom de famille, tu vois. Et il a fallu qu'un juge valide que, bah oui, on met un accent, gros. Parce que moi, je disais, oui, les gens, non, machin, mes enfants. Donc, je n'étais pas le père de mes enfants. Je te dis, pendant 4 ans, là, les 4 dernières années, alors, je ne suis pas quelqu'un de très chanceux. Merci au sub, excusez-moi, Condor, merci pour le 36e mois, merci à toi. Merci à Green Vice aussi, 18e mois parmi nous, merci à toi. Et donc, en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entre 4 années d'emmerdement IRL qu'on a surmonté avec mon épouse, avec les enfants, etc. Et je ne rentre pas dans les détails, ça reste l'IRL. Je n'ai pas forcément envie de vous exposer toute ma vie. Plus ce boulot qui est nouveau, puisqu'on l'a inventé, en fait. Je dis tous les casteurs, etc. Il y en a des plus vieux de la vieille. Mais en fait, quand je regarde, ça fait quasiment une dizaine d'années que je suis... Ça fait 8 ans que je suis dans le côté streaming vidéo. Et alors, je ne suis pas du tout le plus connu, et c'est comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves embrigadé, comme dans un taf, avec une telle routine de facilité que tu en viens à ne pas te poser les bonnes questions. Et là, en fait, aujourd'hui, ce week-end, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, le truc, c'est, mais qu'est-ce qui t'empêche de délirer? Par exemple, je vous prends un exemple, on en reparlera tout à l'heure. J'ai un projet qui me vient en tête, on en parlera, Kenny nous arrive tout à l'heure, on a un projet tous les deux, on verra si on peut le réaliser ou pas, mais j'ai plus envie en fait de faire semblant, c'est-à-dire de jouer un jeu pour faire plaisir à la communauté.
Voilà, quitte à ce que moi, je prenne sur moi. Alors, on fait tous des trucs dans nos boulots qui ne nous plaisent pas. Et moi, le premier, il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas dans mon taf. Mais comme tout taf, en fait, il y a plein de trucs où tu fais, oh putain, ça c'est chiant. Ça c'est super, j'adore, mais ça c'est chiant. Tu vois, t'as toujours une partie du taf qui est relou. Mais j'ai pas envie d'arrêter, mais j'ai envie de travailler différemment. Je m'explique. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué plus de live IRL. Il n'y avait rien qui m'empêchait de faire plus de live IRL, ce qui marchait plutôt bien. 1500 personnes à 9h du matin, c'était plutôt cool, en fait, dans le jardin, avec les chiens, en FAQ, etc. Mais ça, il n'y a que moi qui me suis mis des barrières. Parce qu'en fait, à force de te demander... Merci Colin qui vient de recevoir 9e mois parmi nous. Merci à toi. À force de te demander, en fait, quel jeu va te permettre d'avoir une communauté plus grande, tu vois, tu en finis par devenir con. Parce qu'en fait, t'es amer. Et on en parlait avec Fox. Fox me disait, et true story, on en parlait juste avant le live. Fox me dit, mec, sur les derniers lives, il y a des fois avec les viewers, je t'ai trouvé fondamentalement con. Mais oui, j'ai été fondamentalement con et agressif. À un moment donné, en fait, si t'es plus dans la bonne optique, c'est-à-dire que ton optique, elle est simplement de regarder deux choses. Le nombre de tes subs, tes chiffres. Mais tu peux plus apporter de spectacle aux gens, tu peux plus leur apporter ce que tu es. Puisqu'en fait, déjà, il y a une partie de toi qui est focus que sur un truc, c'est est-ce qu'aujourd'hui je fais du pognon ? Et c'est normal, c'est un métier. Mais sauf que c'est un métier de divertissement. Donc si t'éclates pas les gens, merci Léo, c'est même très... je parle trop, bois un coup. Si tu fais pas plaisir aux gens, ça se voit. Et à un moment donné... Le coq, ça fait 18 mois. Putain, j'ai grandi un peu plus. Merci à Leo7 aussi. Salut mon clic, toujours heureux de te voir. Gros bisous à toi et à la famille. Et toute la période YouTube, moi, m'a extrêmement frustré de tenter des choses alors qui n'étaient pas bonnes. On va être franc. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai oublié de réfléchir. J'ai essayé de tourner des trucs. Putaclic, pitié, faites-moi des vues. Au lieu de, je m'éclate, faites-en ce que vous voulez. En espérant que ça fonctionne. Parce que forcément, tu te dis toujours que quand tu crées un truc, l'idée, c'est quand même que ça fasse des vues. Que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. L'idée, elle est qu'il y ait des vues derrière. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, la question est là. C'est de dire, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ? Oui, ce que je fais m'éclate. Apporter du plaisir aux gens. Et vos messages me touchent quand je reçois des mails de gens qui me disent « Écoute, je suis hospitalisé depuis 3 ans. True story. J'ai tel ou tel type de maladie, etc. » Mon échappatoire de la journée, c'était live. C'est ta bonne humeur. Putain, c'est extrêmement touchant. Et c'est vrai que ça efface des centaines de messages de rageux qui te souhaitent de crever, qui te disent que t'as rien compris, que t'es un naze, que t'es une merde. Bien sûr que ça touche, même quand tu mets une carapace, quand t'as les gens qui commencent à être là gratuitement, parce que caché derrière un écran, c'est facile. Et quand t'as un simple message comme ça, mais je me dis aussi, je me mets à la place. Est-ce que ce mec-là, au bout d'un moment, juste, il va pas en avoir marre, pas de moi, mais de ma propre attitude ? Putain, je suis en psychanalyse, je me couche. Attention, c'est parti. Hop. Voilà. Oui, alors quand j'étais gosse, c'était vachement bien. Je jouais au ballon dans la cour. Non, voilà. C'est la vraie réflexion. Je pense que... Merci, Blaise, le 19e mois. Je pense que je vous dois un minimum de sincérité dans ce que je fais. Et j'ai choisi de faire du divertissement. Alors, je ne suis pas comédien de renom. Je ne suis pas animateur radio de renom. Je ne suis pas présentateur de télé de renom. Et les médias nous feront toujours comprendre qu'on ne sert à rien. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que si j'arrive à apporter... au-delà de l'aspect pécunier, on le dégage. Si j'arrive à apporter... Merci, je suis désolé, je ne suis pas à jour. Merci, Master Bougli, pour le recevoir. 12e mois, ça fait un an. Merci à toi. Merci. Merci à Monsieur Mantolé, 633e mois parmi nous. Merci à toi. Si j'arrive pas à apporter, en fait, à avoir un minimum de sincérité et d'éclate... Je pense qu'en fait, je joue purement le jeu d'un grand nombre qui ne font plus les choses par, au-delà de la passion, qui font plus les choses pour divertir les gens, mais pour remplir le porte-monnaie. Donc, faire de la merde et le faire bien, ça sera toujours le cas, parce que je ne suis pas quelqu'un de très chanceux, donc j'ai une tendance en fait à vite me casser la gueule, à partir au fail, etc. Je ne suis pas doué de mes 10 doigts et de mes 10 pieds. Alors, tu vois, ça aide pas, mais... Voilà, c'est à un moment donné, tu vois, la vraie question, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'ai vraiment envie de reprendre une optique qui me plaise. Merci, Mikarik, merci à toi pour le recevoir, 2e mois parmi nous. Mais j'ai pas envie
et de me... En fait, au-delà de vous mentir, j'ai pas envie de me mentir à moi-même. D'arriver là, j'étais là. J'étais entre deux, parce qu'en fait, j'ai envie de faire du GTA RP. J'ai envie d'y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller parce qu'on a prévu un planning qui dit qu'à 14h pile, c'est GTA RP jusqu'à 17h23 et qu'on se retrouvera le soir, mais ce qui crée des tensions avec... Putain ! J'ai envie de bosser, c'est bosser, ça demande 5, 6, 10, 15 heures par jour. Mais putain, j'ai envie de dire qu'il n'y ait pas de... En fait, j'ai plus envie d'aller chercher des viewers absolument pour grossir plus et encore plus, etc. Parce que ça permet plus d'argent, tralali, tralala. Ce que j'ai envie, en fait, c'est d'être capable de vous proposer du live ou des vidéos, d'accord ? Qualitative ou non, hein, parce que des fois, avec moi, le problème, c'est que des fois, j'ai des grosses idées qualitatives, mais que ça ne marche pas, hein, parce que des fois, il y a des manques de moyens, des manques de savoir, de connaissances aussi, hein, parce qu'en termes de montage, comment te dire que je suis, putain, mais moins montage sur 20, quoi, tu vois. En termes de caméraman, je suis caméraman sur 20 aussi. Mais j'ai plus envie de dire, voilà, j'ai pas envie de faire semblant, en fait. Non, vous ne me verrez pas sur Fortnite PVP, je suis une quiche et j'y trouve aucun plaisir. C'est rigolo avec les potes sur une soirée, mais basta. Par contre, je vous dis pas que ça arrivera pas. Non, je j'ai pas prévu de faire des vidéos, dégustations, ce genre de choses-là. Alors, ça m'éclaterait un coup avec un pote, mais peut-être pas dégustation, peut-être parce qu'on aurait un délire derrière. Tu vois, j'ai pas envie de m'enfermer dans un format. J'ai essayé d'en sortir. En fait, je me rends compte qu'à peine je sors d'un format, j'essaye de me renfermer dans un autre et je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que les gens ont ce besoin. On suit une personne parce qu'elle fait ça. Moi, les slicks, je vais le voir que s'il fait du GTA. Ah bah non, moi c'est l'inverse, je vais plus le voir. Putain, moi ce que j'aimais, c'est de vous offrir du délire. Et ce que j'aime toujours. Et clairement, je vais être franc avec vous, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir du stream comme je le sens. Mais en fait, purement, tiens, salut, aujourd'hui, on est dans le jardin avec les chiens, et on va parler chiens. Tiens, aujourd'hui, on est chez Jean-Pierre, il nous montre machin. Tiens, salut, on est sur GTA RP ou machin. Stop, j'ai pas envie de rester bloqué dans un format gaming. J'ai envie, si je trouve un coin, je sais pas où, en France, qui est trop fun, sortir le machin, de faire « Salut, je suis avec un tel !» ou « Tiens, je suis chez Kenny !» ou « Tiens, je... » Voilà, j'ai vraiment envie de dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est... voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce que réellement, ce que vous attendez en tant que gens de l'Internet, etc., c'est peut-être ça, excusez-moi, hein, je peux me tromper, alors il en faut pour tout le monde, mais est-ce que ce que vous attendez, c'est un enfermement dans un planning avec toujours plus de live 24 sur 24, 7 jours sur 7 ? J'ai l'impression que c'est la course à ça. Ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de dire... Putain, c'est fun, quand il y a un live ou quand il y a une vidéo, j'ai envie de la voir, quitte à ce qu'il n'y en ait qu'un par semaine ou j'en sais rien, tu vois. Sinon, je vous fous la chaise, 24 heures d'affilée, on n'en parle plus, voilà. Mais depuis des années que je te suis, je te préfère en roue libre à faire de la merde que de voir te structurer dans l'ennui, nous dit Noro. C'est vrai. Vous pouvez, j'avais oublié que c'était un live discussion, vous pouvez... posez vos questions en direct sur twitch.tv/alexlick, sur YouTube, si vous regardez à ce moment-là précis, si vous n'êtes pas déjà barré en mode « mais qu'est-ce qui nous fait ?», vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'essaierai, alors des vraies questions, j'essaierai d'y répondre un maximum si c'est des questions que nous n'avons pas abordées. YouTube, je ne t'oublie pas, je suis sympa. Coucou Alex, en tant que viewer de l'ombre perso, le planning, ça me faisait limite chier, je préfère un live random comme à la bonne époque. Ok, c'est intéressant. Non mais en vrai, j'avais vraiment envie d'échanger avec vous là-dessus. On parlera projet tout à l'heure. On attend que Kenny ait point de son fion. On a un projet un peu fou avec Kenny, mais voilà. Alors, le projet secret, je ne sais pas s'il verra le jour parce que faut que j'en discute avec eux, mais je crois que c'est encore un enfermement. Bref, je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà. En l'occurrence, dans ton cas, tu peux te permettre de faire ce que tu veux, sans planning, etc. Tu auras du monde, quoi qu'il arrive, alors profite. Alors, en toute franchise et en toute transparence, Stencha, eh bien, il y a des mois, c'est plus dur financièrement quand on ne fait pas la course au sub. On va être franc entre nous, hein. Aujourd'hui, je dirais que si tu veux vivre uniquement des subs correctement, il faut un minimum de 700 à 800 subs minimum pour en tirer un salaire. Voilà, ça, c'est la base. Si tu fais rien d'autre, si tu n'as pas de machin, de bidule, de machin. Mais ça, je vous le dis en toute transparence, hein. Surtout quand tu as une famille, en fait. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais
il y a malheureusement une vérité qui est des fois la course au sub, la course au pognon, la course, mais comme dans tout boulot, tu vois, voilà. Voilà. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais en soi, c'est ce que je disais toujours, si demain je dois arrêter le streaming et aller travailler en tant que salarié dans un fast-food, je le ferais. Pour mes enfants, je le ferais, en fait. Pour mes enfants, ma femme, je le ferais sans problème. En fait. Et ça me rendrait pas forcément triste, en soi. Ça me ferait chier parce que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Mais si demain, j'ai pas le choix, voilà. C'est pas le cas, je vous demande pas de pognon. Mais si vous sub, c'est bien. Si vous sub, cette phrase est magnifique. Merci Exosters, 26 mois parmi nous. Merci à toi. Non mais attention, c'est pas une demande de pognon, loin de là. Mais c'est simplement de la vérité, de la franchise aujourd'hui sur quand on y a cette question, je réponds. Merci à Bastien aussi qui vient de recevoir 3e mois parmi nous. Merci à toi. Merci pour ta clairvoyance, Alex. J'avoue que tu m'avais un peu lassé de tes lives, en grande partie pour ce que tu dis, l'impression de te voir t'emmerder dans un format, l'impression aussi de te voir devenir trop focus sur les vues et les pépettes. Je trouvais ça dommage. Oh putain, Salmon, il a offert les subs. Je vois plus rien, nom de Dieu. Attends, merci Salmon. Trop focus sur les vues et les pépettes. Et je trouvais ça dommage, car tu as un sacré potentiel, tu es fun, doué, te suivre peut-être un réel plaisir. Merci Auric, ça me fait extrêmement plaisir. Il n'y a que les cons qui reconnaissent qu'ils font pas de la merde. Et je pense que je me suis enfermé dans un rôle qui n'est pas moi. Depuis des mois et des mois, j'ai presque envie de dire en année. Et là, en fait, c'est plus moi, mais à un moment donné, en tant que père aussi, dans ton taf, tu te poses une question. Si t'es tout seul, célibataire, tu t'en bats les couilles, frère. J'adore cette phrase. Mais si, à un moment donné, en fait, entre la vie de famille, d'accord, où t'as des responsabilités, tes enfants vont à l'école, bah, tout te coûte une blinde. Sans déconner, tout coûte une blinde. Ah, putain, sans déconner. T'as l'impression que tu gagnes jamais assez d'argent. Même quand tu fais pas de folie. Mais attends, c'est pas vrai. Mais quelqu'un fait fondre mon pognon. T'as cette pression-là et tu te dis, quelle est, à un moment donné, tu finis par te dire, quelle est la facilité. Et la facilité, dans ma tête, c'est GTA RP. Je vais être franc avec vous. Et le serveur est top. Attention, c'est pas du tout contre le serveur. C'est pas du tout contre Kama, contre Quentin, contre Powers. Pas du tout, loin de là. Au contraire, le serveur est super. Mais en fait, tu finis par te mettre des pressions qui n'existent pas sur certains jeux, style Minecraft, machin, GTA et tout, parce que tu te dis, oui, c'est le jeu qui potentiellement fait le plus de vues. Et ce qui est vrai, malheureusement, attention, c'est vrai. Voilà, donc, résultat. Tu commences à tourner en rond. Merci, vous faites salement hein, pour les subs. Et bienvenue au nouveau. Attendez, j'essaie de vous lire. Vous êtes beaucoup à vouloir parler. Mais c'est super, merci à vous. Un survivaliste IRL. Le Beer Grit. Attendez, on va vous parler de notre projet avec Kenny. Mais alors, je sais pas comment on peut faire ça. Je le sens encore mal, notre idée. Je le sens encore mal. Moi, j'ai envie de vivre. Ils vont te lancer sur un Koh-Lanta spécial Team Click et Ami. Ce qui m'a beaucoup marqué de ces derniers mois, nous dit Lapin, c'est l'absence. Je suis en retard sur le chat, si je ne lis pas en temps réel, excusez-moi, j'ai remonté pour essayer de lire tout le monde. Ce qui m'a beaucoup, c'est Lapin qui nous dit ça, beaucoup marqué Lapin, qui est un des plus gros, une des personnes qui parle le plus sur Facebook. Voilà, je voulais le dire, merci à toi Lapin. Ce qui m'avait fait adorer ta chaîne, c'était aussi que tu avais du monde toujours autour de toi, Oro, Kiwi, Fox, Musa, Oliver, j'en ai oublié, la liste est longue, mais c'était le côté bande de copains qui s'éclate, qui manque peut-être un peu. Alex, fais ce qui te fera plaisir, et si tu y prends ton pied, les gens reviendront. Merci à toi pour ton commentaire et pour te répondre en toute franchise. Je vais pas faire de faux semblants. Je vous fais la liste. Pourquoi aujourd'hui il y a moins de délire Team Click? Parce qu'on vieillit et qu'on devient peut-être tous un peu aigri et con. Ça joue aussi. Qu'on n'a plus forcément les mêmes jeux en commun tout le temps ou la même manière de jouer. Que certains deviennent parents, d'autres non. Et si je dois vous faire les noms que tu as cités, Oro a décidé du jour au lendemain de partir et m'a mis un peu dans la merde niveau boulot parce que je l'avais mis sur beaucoup d'OP qui n'a pas. Réellement fait jusqu'au bout, il n'a pas voulu se sortir les doigts. Et un jour, il nous a dit bah, j'arrête tout ce qui est internet, je retourne bosser en vrai, etc., faire de la vraie vie. Et en soi, il a raison un peu, en fait. Il a, voilà. Kiwi a fait ses études, etc., on la voit de temps en temps, mais elle est hyper bookée. Fox est avec moi, Musa aussi. Oliver bosse sur circuit à côté, fait plein de trucs. En fait, ce que j'ai envie de vous proposer, moi, de plus en plus, c'est même plus du jeu vidéo, c'est de la vraie vie. En fait, j'ai envie de vous proposer des expériences de la vraie vie. Parce que le jeu, c'est cool et j'adore le jeu vidéo. On en va en faire régulièrement, à gauche, à droite, plein de trucs. Putain, j'ai envie de vous proposer des trucs de la vraie vie en live. En live ou en vidéo, en fait. J'ai envie de... de vous montrer des trucs qui m'éclatent, putain. Putain, aujourd'hui, je suis avec des chiens ou machin. J'ai envie d'extérieur. J'en peux plus d'être enfermé dans ce studio. Mais je t'aime, studio.
Alors, soyons honnêtes, Alex, je pense que ton public, c'est Gotthard, mais ça ne vient pas du tout pour ton talent de joueur. Ah bah, attends, je suis conscient, ouais. Sans la moindre méchanceté. Ah non, mais je le prends pas mal. Je suis nul. Putain, mais si chez toi, tu ne t'es pas encore rendu compte que je suis nul, peu importe le jeu. Là, des fois, il y a un petit... Non. Et pour ta spontanéité, donc par simple logique, t'enfermer dans une optique qui te frustre me paraît contre-productif. On est assez d'accord. On est assez d'accord là-dessus. Un planning, c'est bien, ça permet de planifier. Ok, cool, merci pour ta participation. Grind, j'ai rien compris, mais je suis d'accord. C'est bon cette remise en question. Mais oui, mais en fait, c'est assez dingue. Non, c'est pas dingue, en fait, c'est tout à fait normal. J'ai envie de me remettre en question. En fait, il n'y a que les cons qui n'ont pas envie d'avancer et qui partent du principe qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont tout vu, qu'ils ont tout fait. Alors, je ne suis pas du tout un des meilleurs streamers. C'est même pas meilleur, on s'en fout qui est meilleur que qui, mais dans les plus gros streamers français, je dois peut-être dans le top 50. Super, c'est déjà super. Mais... Je sais pas. Ouais. Moi, je t'ai connu grâce à Hypierre sur Minecraft et franchement, pour moi, t'as pas changé. Tu es toujours un mec bien qui met l'ambiance. Non, mais je me force, on va être franc entre nous. Hein. Depuis des mois, je me force pas à mettre l'ambiance ou à jouer. Je me force à faire un faux semblant dans ce que je joue. En fait, à cause de ce foutu planning, mais pas que, je fais des lives, mais qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie de vous montrer ce soir-là. Des fois, un soir, au dernier moment, je dis « Putain, je vais leur montrer ça, on va faire n'importe quoi. » Enfin, on fait tout le temps n'importe quoi, on est d'accord. Et là, ce qui se passe, c'est que... Bah, je me dis « Ouais, mais non, mais qu'est-ce qui va faire le plus de vues, et donc le plus de subs, et donc le plus d'argent pour ma famille ?» En fait, je pense plus comme quelqu'un qui veut vous divertir, mais comme un père. Sauf que j'ai envie de repenser et de refaire comme ce qui me caractérise, c'est-à-dire un espèce de gros idiot, enfin de grand idiot, qui est un gamin fini, qui est capable aujourd'hui, où il n'y a jamais rien qui se passe bien pour lui, quoi. Peu importe ce qu'il fait, ça part en couille, et avec des fous rires mémorables. Donc, est-ce que la remise en question est de dire aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous éclater, alors je ne sais pas. Comment ça va se mettre en place ? J'ai pas d'idée. Enfin, j'ai pas d'idée. J'ai pas de vision à court, moyen, long terme de comment ça va se mettre en place. Mais ouais, je veux récupérer des soirées. Ouais, j'ai envie de passer des soirées, des fois, avec mes potes IRL. Quitte à lancer un live à la con parce que je suis avec des potes. Alors, en famille, c'est rare. Vous verrez pas de live en famille parce que c'est pas un truc qui m'éclate. J'ai pas envie de... Mais mes enfants m'ont rien demandé, donc ils ont pas à être là-dedans. Mes potes, je les emmerde, vous connaissez la moitié, donc ça va. Mais... J'ai envie de récupérer une vie, en fait. Ça fait quelques années, je n'ai plus de vie, quoi. Je bosse la journée, je vois mes enfants 2 heures, je bosse le soir, je bosse la nuit, je dors 3 heures, et on recommence. Alors tu vas me dire, oui, mais comme tout le monde, et alors ? Ben ouais, mais Michel, j'ai aujourd'hui la possibilité de dire ou je tente une autre façon de faire, ou au pire, j'irai bosser en tant que salarié. Ou j'aurai mes soirs, mes week-ends, tu vois. Bref, je rattrape, je suis en retard. Merci la marque qui a reçu 24 et moi parmi nous qui dit « Je pense que t'en fermant dans le RP GTA, tu nous y as enfermé. Je te suivais depuis longtemps sur divers jeux. Je me suis mis à ne regarder plus que GTA pour tout suivre. » Ouais, peut-être ça, c'est ma faute, pardon. Merci pour le recette. Perso, je ne passe pas souvent, mais la fois où je passe sur ton stream en audio durant le taf, je prends du plaisir à t'écouter et même à me marrer des fois seulement. Mes collègues se demandent du coup ce que j'écoute. Déjà que c'est Rire et Chanson. C'est mon copain Kenny sur Rire et Chanson. Je vais écrire un sketch sur les comptines d'ailleurs. J'ai un message privé, je vais le lire après, d'un copain. Je vais lire ça juste après. Moi, j'aimerais savoir si tu as suivi un peu la Z-LAN et si tu aimerais la faire l'année prochaine. Vous savez quoi ? Est-ce que j'aimerais la faire pour finir dernier ? Oui, je finirai dernier. Peut-être pas à la dictée, quoique. J'aimerais la faire, et je crois que je... Mieux que certains, hein. Je me suis tellement enfermé. C'est vraiment ça, en fait. Je suis en toute franchise avec vous. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on se côtoie, on s'est côtoyé à plusieurs reprises et régulièrement, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais juste appelé Zéra en disant « Eh, ça tente, on fait un truc ensemble ?» Est-ce que c'est le fait que je sois trop con ou trop enfermé dans mon quotidien ? Voilà. Donc, en fait, ce qui m'embête pur, c'est que je me suis enfermé dans la médiocrité. C'est ce qu'on appelle de la médiocrité, purement. Je me suis enfermé dans ce que j'avais fait à une période et qui marchait, et plutôt que d'évoluer, j'ai stagné comme ça, et j'ai continué à rouler, tu sais ? Une espèce de reste, tu sais, toujours dans la même. Dans la même, voilà. Gaffe à ce que tu dis de tes collègues rôlistes, toi. J'essaye de suivre. Vous êtes beaucoup à vouloir parler, mais en fait, vous êtes beaucoup
J'essaye d'avancer, je suis désolé, j'ai beaucoup de retard sur le chat, j'essaye de tout lire. C'est pas pratique. Pitchard, je suis exactement comme toi, Lamar. Merde, Lamar, c'était plus haut, je ne sais plus, excusez-moi, vous êtes beaucoup. Lamar. Oui, voilà, je vais enfermer dans le GTA. Oxban, et pour tous les streamers à tout niveau, même quand c'est pas ton métier, je vois pour moi, je faisais que du RP. Car, tu sais, où il n'y a plus de monde, mais pourtant, je kiffe vraiment faire d'autres jeux. Et en fait, moi, je me demande si je kiffe toujours faire que du jeu, en fait. Des fois, j'ai envie de vous montrer du jeu, mais en fait, des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie de vous montrer de l'IRL. J'ai envie de faire des projets de plus grande ampleur, avec des délires, des trucs où tu regardes le truc et tu fais « Putain, mais c'est n'importe quoi, les gars !» Ah oui, vous attendez pas avec moi à faire « Putain, c'est hyper bien foutu !» Non, c'est n'importe quoi. Salut. Je fais partie des viewers de l'ombre. Très intéressant. C'est Undef qui nous dit ça. Je t'ai découvert il y a 5 ans à l'époque de FTT. Et la ferme ta gueule. Je me suis attaché à toi parce qu'il te manque une case. Et tu te foutais de ce qu'il y avait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Je comprends tellement des questions que tu te poses. Même si tu fais des lives claqués avec tes chiens dans ton jardin. Je suis OP car ça serait si drôle connaissant ton humour. Je me rappelle un live qui a 2 ou 3 ans. Tu avais montré un B. J'ai montré un quoi ? Un quoi ? Un B. Tu avais montré un B. Alors, j'ai jamais montré ma bite en live. Attention, non, qu'on soit bien d'accord. Excusez-moi. Mon zizi, quoi, poliment parlant. Undef, j'ai pas la fin de ton message. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est du divertissement et on demande qu'elle divertie et délirée avec vous. Nice. Du arc ferait revenir des gens, je pense, comme moi. J'ai tellement ri sur les serveurs Nawark Ultimate. Et bah, tu vois, à Pixela, c'est pas méchant, mais c'est l'inverse que je veux faire. Je veux pas me dire, je veux faire tel jeu parce que ça fait du monde. Je veux me dire, putain, c'est sans sas, viens, on teste. Tu vois la logique ? Je veux plus fonctionner sur ça va cartonner. Ça va faire du sub. Je vais fonctionner en mode go, quoi. Ça m'éclate. Go. Aussi simple que ça. T'es découvert, c'est Miss qui nous dit ça. Miss Québec. Oh, Québec. J'aimerais bien venir. Pas chez toi, mais au Québec. J'aimerais bien aller avec ma femme. T'es découvert depuis la team Patrick. J'ai adoré chaque moment depuis la team Trouduc jusqu'à Arc Modé. Mais on t'avait perdu. Je passais sur tes lives seulement pour voir. Va-t-il me faire rire en 5 minutes et je repartais. Changer, je vais revenir à toi. Tout le monde, plaisir et lapin, il a tellement raison. Ton entourage était vraiment ouf. Ouais, alors ça, c'est compliqué en fait. Je peux pas réinventer l'entourage. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Team Click, ça a été une team, entre guillemets. Et sauf que t'en as qui, à un moment donné, auraient pu percer, auraient pu faire des choses et ont pas voulu en mode moi, je fais ce qui me plaît, point, c'est tout. C'est aussi un boulot. Il y a aussi des parties où on fait ce qu'on aime pas, malheureusement. Mais tu peux le faire à ta sauce. Donc ça, je peux pas te dire qu'à tous les coups, voilà. Mais on peut ajouter du fun. Les goinfres de l'extrême, où je vous fais à manger. Ah oui. Non mais mec, non mais la facture va être trop grosse, Pixel. J'avais pas vu que c'était tout. C'est le mot Pixel. Bon après, tu vieillis, tu n'as plus la même patience qu'avant. Mais au-delà de la patience, en fait, je pense qu'au-delà de la patience, à un moment donné, faut juste, tu te mets des barrières. Je me suis mis des barrières qui n'existaient pas, en fait. Est-ce que t'es obligé? Tu te forces tellement que t'es frustré, en fait. Voilà. Mais go, Alex, qu'est-ce qui t'en empêche? Mais rien, justement, c'est ce que je vous dis. À une époque, tu parlais de faire une mini-série reportage sur les trucs atypiques et honnêtement, l'idée m'avait enthousiasmé. Yes! Et je suis super chaud. Cependant, eh bah, ça coûte une blinde parce que, en fait, il y a deux choses. La première, c'est où tu as un caméraman et un monteur, d'accord? Mais qu'il faut payer, c'est un métier, d'accord? Donc, il faut de l'argent pour les payer. Et c'est un poste de dépense qui n'est pas négligeable. Et en soi, il faut des gens qui soient disponibles en même temps que toi. Mais après, ça peut être un truc. Parce que le pari est risqué. Demain, je trouve quelqu'un en région nantaise qui me dit « Go, mec, je peux faire et je gère tout ça. » Donc, prise de son, prise de vue et après le montage. Mais en fait, je serais chaud pour dire si ça cartonne sur YouTube, on fait 50-50, gros. On fait 50-50. Mais c'est un gros pari parce que ça veut dire tourner 4, 5, 10 vidéos d'avance, voir ce qui va... C'est un pari. Donc, j'ai toujours du mal là-dessus, de 1 et de 2. Sinon, l'autre possibilité, c'est de payer quelqu'un en disant, c'est son... voilà, il le fait, point. Mais là, c'est une question aussi de pognon, vous allez sortir. Et je suis toujours contre, parce que je suis très con, je vais peut-être changer d'avis, hein, de ces 4, hein, sur les trucs participatifs. De dire, je vais vous proposer telle émission, ça va coûter tant, sortez-la mon portefeuille.
Et en même temps, vous allez me dire, oui, mais il y a bien des subs, c'est un peu le même principe. Oui et non. Donc, tu vois, voilà. Bref, mais ce qui m'éclate, c'est de vous proposer des trucs. Voilà, donc il faut que je trouve des solutions. Je ne sais pas comment, mais oui, c'est le genre de truc que j'ai en tête, de faire plus de, peut-être de vidéos, de live extérieur, donc peut-être trouver un setup spécifique, etc. Des choses où, en fait, j'ai envie de vous faire découvrir, de dire, là, aujourd'hui, on est dans un resto. On découvre un resto. Aujourd'hui, on va sauter en parachute. Et donc, selon le type de truc, de le faire en vidéo ou en live. Alors, vous allez me dire, en soi, dedans, il n'y a rien de créatif. Et on est bien d'accord. Ce que j'ai envie, c'est juste de kiffer, de vous montrer des choses, de vous montrer des choses atypiques, de vous emmener dans des coins un peu. Mais j'ai pas envie de le faire version putaclic, en rajoutant des effets, des machins. Juste envie, voilà, de faire tout ça. J'ai vu passer, il y a beaucoup de beats aussi. Merci Christus, notamment, merci Curreller. Je vais essayer de tout lire, c'est compliqué. Je suis désolé. On avance, j'ai beaucoup de retard, j'ai quelques lignes de retard sur le chat. Je sais pas, Musa pourrait me dire en vocal à quel moment il a écrit un live dégustation. Est-ce qu'il était il y a longtemps, mais je crois que je suis très en retard sur le chat, je suis désolé. Après, à un moment donné, je vais devoir rattraper le chat, il y en a qui vont être lésés, j'en suis désolé pour vous. Christus qui dit projet avec Kenny, Roméo et Juliette, avec Clicor Roméo, Kenny en Juliette. Merci à toi pour le beats. On a une idée avec Kenny, mais est-ce qu'on arrivera à le mettre en place? C'est une idée folle que j'ai eue en tête. Un truc que j'aime depuis longtemps et je me suis dit, viens, on le fait. Et il m'a fait, ok, go. Ah, c'est le problème avec Kenny, hein. J'ai dit, ouais, mais faut trouver un sponsor. Il m'a fait, ok, go. Puis après, il m'a dit, comment on trouve un sponsor? J'ai dit, ok, on va se marrer. Alors, je voulais lire le message de Papy Isaac. Je le lis tel quel, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est mon copain Papy Isaac avec qui j'ai commencé il y a 7 ou 8 ans maintenant, le RP. Mon cher Alex, ayant eu la chance de faire des soirées de rigolade avec toi, de voir t'éclater comme pas possible avec nous, passer minuit et aussi voir la vraie personne sans masque, celle que tu es, sans artifice, entendre que tu vas enfin faire ce qui te fait plaisir, d'arrêter de penser au rendement, car même à l'époque, je sentais que ça te mangeait un peu sans autant pouvoir dire les choses. Excusez-moi, je passe les messages, tous les passages chiants, ça. À la dignité de ma part. Bref, je suis content que tu vas. Putain, rien que pour ça, je devrais te bannir. Que tu vas penser. Ouais, tu vas aux courses aussi. Un peu à toi. Je te souhaite le meilleur, l'ami, et moult réussite sur tes futurs projets. Cordialement, un vieil enthousiaste. Merci à toi, papy, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'en suis où? Moi, j'ai envie de te dire, Alex, j'essaye de... Bah, c'est papy, tiens. Fais ce que tu veux. Je ne fais plus de tuto maquillage. Non, mais même ça, ça m'éclaterait en vrai. Ça m'éclaterait. Il faut juste que, à un moment donné, stop, je vais arrêter de me dire de faux semblants, en fait. Juste de faux semblants, on va arrêter. Ah merde, Alex, c'est nul, bientôt. Putain, j'en suis là, ok. Donc j'en suis il y a un quart d'heure sur le chat. Alors, je suis désolé, on va faire un truc. Je suis désolé. Je suis à Rider, je sais pas à quelle heure, où il y a merde, Alex, il est nul. Je dois avoir 20 minutes de retard sur le chat, les gars. Ce qui est énorme, c'est super. Ça veut dire que vous avez envie de discuter et j'essaye de lire tout le monde. Mais en fait... On a deux choix. Fox, qu'est-ce que je fais? Je rattrape le chat, donc je nique le dernier quart d'heure, je lis pas le dernier quart d'heure, ils remarqueront, ou qu'est-ce qu'on fait? Tu survoles. Tu m'en pratiques tes cours de lecture rapide que okay. T'as jamais pris, et puis... si, j'ai fait une prépa HEC. Bah voilà. True story. Je fais une prépa HEC, la première année seulement. Et on faisait des lectures rapides et synthèse de texte. Super intéressant. Alors... Il y a juste qui dit que je suis beau, ok, on est bon, Mofé, c'est déjà beau, ok, super. Vous l'avez dit, Alex, meilleur streamer au monde, pour aller cher de cul. Clique à la conquête du monde, je dis oui, petit Brugnon, tu n'es pas sub, tu ne peux pas dire ça. Le mec est craqué complètement. Je t'ai découvert il y a 2 mois dans GTA RP, avec maman, je t'ai kiffé dès le début, et franchement, j'ai hésité au départ. Mais même tes lives de Minecraft, The Division, préféré te donner mon prime à la place de Zerator. Ça y est, on est dans la merde. Ça y est, il va m'appeler. Tu me prends mes subs. Merci à toi, Silver. J'essaye de rattraper Miss Québec. Je veux un tuto comment faire de la merde et s'en sortir. Ça, c'est très, très compliqué. Je suis de la région de Nantes. Je vais faire une exception de live week-end et allier ton hobby de l'auto. Il y a moyen que je te fasse découvrir quelques petits rassemblements. Putain, lapin, tu restes dans les parages. On en parle tout à l'heure avec le projet de Kenny. C'est le projet de Kenny. Allez, je vais faire une crise de la quarantaine. Mais tellement. Putain, mais j'ai le droit. Je fais ce que je veux. Takes MDU qui vient de s'abonner. 15e mois parmi nous. C'était, je pense, il y a...
je regarde. 12 minutes, j'ai 12 minutes de retard sur le chat, merci à vous. Tout va bien, vous n'êtes pas du tout en train d'écrire comme des fous. Je trouve aussi que sur tes lives, que ça se voit que tu prends pas trop de plaisir à certains moments, mais c'est ouais, comme à l'époque sur les petits jeux à la console. Ok, on est d'accord ensemble. Merci à Bledy Chef qui dit que tu as une bonne vision de tes forces et tes faiblesses. Je te suivais il y a pas mal de temps pour l'ambiance et que tu mettais sur ton stream, puis j'ai lâché car clairement tu ne t'amusais plus et tu devenais désagréable. Purement vrai, et je m'en excuse. Mais Fox a raison. J'ai parlé par aigreur. Et j'étais oui. Il y a eu des lives là dernièrement où j'ai parlé comme un gros enfoiré. Et personne m'a rien dit. Dans les copains. Bande de salauds. Tu as tout à fait raison. Puis en début d'année, j'ai eu une sorte de prise de conscience au moment de The Division, retourner le clic ouvert. Donc tu n'as pas le choix, tu dois être en phase avec tes envies. On est bien d'accord, merci à toi. Bledy Chef, les vidéos sur les chiens, du coup, mais pourquoi pas? Mais je veux pas rester dans un juste, on fait ça. En fait, c'est super un mec qui fait toujours la même chose, mais moi j'ai envie de vous montrer plein de trucs en fait. C'est beau la vie. L'IRL est beau aussi. Et en fait, limite, c'est quoi ma mission? Elle sera belle si tu dis non, je regarderai le live plus tard ou l'ardif, je préfère sortir. Je préfère aller faire un foot avec les potes. Ou un pique-nique. Ouais, tu peux faire en version live. Je suis depuis au moins 5 ans. Ça fait long. Attends, j'avance. Trop enfermé dans le quotidien. Tout à fait d'accord avec toi. J'aime bien l'époque où tu faisais plein de jeux différents. Tu t'éclatais de 12 à 14. C'est possible qu'il y ait le retour en journée, en effet. Un concept qui était spontané et vraiment fun que tu avais à l'époque, c'était le live blind test où tu étais juste avec des potes à taper des barres. T'es vraiment communicatif. Cool. C'est prévu, entre guillemets, dans ma tête. J'essaye d'avancer. Allez, on appelle Zera en live et on arrête de s'enfermer. Putain, on en est là. Oh putain, je suis vraiment à la bourre. Merci à Nikos qui vient de recevoir 9e mois parmi nous. Merci à toi qui met check. Nikos s'est abonné il y a 12 minutes. J'ai toujours 12 minutes de retard sur le chat. Arrêtez d'écrire dans le chat. Laissez-moi rattraper mon retard. Nous avons beaucoup trop de retard sur ce chat. Et comme quoi, le quotidien, mesdames et messieurs, comme quoi on se prend la tête pour pas grand-chose. Être 647 spectateurs à 14h56 sur aucun jeu, simplement en train de True Story My Life. Donc, comme quoi, s'enfermer dans le quotidien, c'est de la merde. Tu t'es créé une bulle dont tu es resté coincé. Il est l'heure d'en sortir de ton propre bonheur. Merci, Valdak. Arrachons cette bulle. Non, mais t'as le mec qui mime une bulle. Mais putain, mais on est tombé où? Alors donc, Alex Click, c'est facile à dire pour moi, mais tu te prends trop la tête. Fais comme tu le sens et ceux qui te suivent et aiment ce que tu... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est fini les prises de tête. Vous ne serez plus jamais quand il va y avoir de live... sur mon site web, il y aura écrit abonne-toi ou barre-toi. Le clic, tu l'aimes ou tu la quittes. Merci Emrion qui vient de recevoir 14e mois. Emrion qui s'est abonné il y a 12 minutes. Putain, c'est la merde. J'arrive pas à rattraper le retard. Je vous vois écrire sur mon retour. Arrêtez. Attendez. Wait a minute. Sinon, ça va être la merde. Salut Alex, à défaut d'avoir du skill sur le jeu, c'est Doragou qui nous dit ça. Tu as un côté didactique qui est aussi une de tes forces lorsque tu prends le temps d'expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Oui, j'aime bien expliquer, j'aime bien, je trouve ça sympa. Ta vidéo de conduite sur piste était géniale, mais tellement, et le sport mécanique est une réelle passion que j'ai. Et ça fait des années que je me leurre la face et que je ne fais pas pour diverses raisons, parce que je mets d'abord en avant, même dans la vie de tous les jours, d'abord je m'assure que les besoins de ma femme et de mes enfants soient comblés avant les miens, ce qui fait qu'en fait c'est toujours un cercle où moi je prends jamais de, tu sais, je me fais pas plaisir parce que bah t'as toujours des besoins, donc en fait tu tournes, enfin bref, racontetavie.com. Merci à Cureller qui dit: je pense que tu as perdu ce côté spontané, effectivement, et quand on te voyait en live, on ne savait pas ce que tu allais faire. Ce serait bien que tu refasses un retour aux sources, un peu comme MV qui stream n'importe quand, à n'importe quelle heure, sur n'importe quoi. Donc fais ce qui t'éclate quand on vient sur ton stream, c'est pour toi. Mais c'est dur parce qu'à un moment donné, et je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu te dis: mais ils viennent pour moi ou pour le jeu? C'est une vraie question, en fait. Attends, le mec qui fait sa psychanalyse en direct gratuitement, putain, ça fait plaisir, vachement bien. En vrai, ça me ferait kiffer perso du IRL, mais cool. J'ai un défi de potes qui m'ont imposé de tester tous les bars depuis mon arrivée. Non mais pas les bars. Non mais ça passera pas, ça. Ça passera pas. Je vais être bourré H24. Alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, il faut être adulte. Être épanoui est super important dans sa relation avec les autres, encore plus dans le secteur du stream où tu partages en permanence avec tes viewers. De plus, une remise en question, elle ne peut que te faire, j'ai du mal à dire aujourd'hui, comme d'habitude, évoluer dans le bon sens aussi bien dans ta vie privée que professionnelle. On est exactement d'accord. C'est pour ça aujourd'hui que je me suis dit, fuck, on discute. Suite du message,
Ah merde, tu avais montré un bout de ton spectacle. Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. J'ai envie de faire plein de trucs. C'est affreux. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive ? Non, j'ai 20 minutes. De toute façon, le temps que je vois votre réponse, l'eau aura coulé. J'ai 20 minutes de retard sur le live. Mais 20 minutes de retard de lecture de chat. C'est la merde. Je vous avais dit d'arrêter d'écrire. Vous continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que vous aussi, des fois, t'as envie de tout faire ? Demain, j'aimerais énormément, par exemple, participer à l'écriture d'une BD. J'ai failli le faire et ça s'est pas fait. J'aimerais écrire. J'aimerais... C'était quoi la question ? Mais en fait, j'aimerais... Oui, spectacle. J'aimerais réécrire un spectacle. J'aimerais rejouer sur scène. En fait, si je m'écoutais, je ferais jamais le même métier. Je changerais de métier toutes les semaines. C'est un truc de ouf. Bref, sois un bon commerçant, Arc RP, Alex. Greenvice qui troll avec un petit capa. Perso, Alex, j'avais adoré un live random que tu avais lancé une heure random le soir sur golf avec tes potos. C'était juste génial, oui. Après, du coup, ce sera les vidéos YouTube ou toujours du live parce que si c'est de la vraie vie, il te faut la connexion. Oui, la 4G, il y en a partout. Et au pire, quand la 4G ne passe pas, tu fais une vidéo. L'idée est là. À vrai dire, je parle vraiment pas souvent, mais tes conneries, tes fails, etc. sont toujours de quoi nous amuser et nous divertir et délirer. Mais honnêtement, je te pensais plutôt comme beaucoup au-dessus, etc. l'autre soir où tu m'as surpris à venir en vocal. Ça m'a fait... Si c'était 2 ou 3 minutes, ça montre que tu es très simple, alors que toi-même, et tu verras bien... Alors oui, j'essaye, mais je me suis aussi enfermé dans une routine qui fait que l'emploi du temps étant l'emploi du temps... Je compartimente. Alors ça, ceux qui sont parents savent à quel point, tu vois, tu compartimentes tout, tout devient un planning quand t'es parent. Et voilà. Mais oui, j'aime beaucoup passer voir les viewers, leur demander comment ça va, etc. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression, je suis pas quelqu'un de connu. En fait, le truc, c'est que je suis pas quelqu'un... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... Je suis comme toi, chez toi. Sauf que moi, vous me regardez, ce qui est bizarre, mais le gars parle à sa caméra. Mais c'est une autre histoire. Life Blind Test, ça parle. J'essaye d'avancer, je suis désolé, c'est pas que vos phrases ne veulent, sont de la merde, mais dans une émission genre plateau, mais un peu différente, ça coûte très cher. En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais qui coûtent une blindasse. Donc, à part avoir un producteur et faire beaucoup de vues pour le rentabiliser, le garçon, c'est compliqué. En toute franchise, c'est compliqué, tout coûte très cher. La vie, malheureusement, n'est pas gratuite. Et pareil, sur les plateaux, les vidéos que je voudrais vous proposer, j'ai plein d'idées. Quand j'ai budgété, j'ai fait « Ok, fuck ». Tiens, si on remonte dans le temps, est-ce qu'une partie avec tes meilleurs lives n'était pas quand tu décidais de nous voler, par exemple, tes lives des mineurs ? Oui, mais ce live d'aujourd'hui est un live purement volé. Leriana, viewer de l'ombre, faisant ce que tu veux, les jeux que tu veux, pour moi, tu toucheras plus de personnes, donc plus de subs possible pour parler pognon. Ça te permettrait aussi de construire une commu autour de toi et non autour d'un jeu perso. Je ne peux que dire go. Ah oui, mais moi, j'aimerais des fois que vous soyez altérés chez vous en mode, mais non, il va pas faire ce jeu, mais il va le faire, mais merde, c'est la merde, c'est la chiasse, ne fais pas ça, clic, ne fais pas ça, clic, ne fais pas ça, clic, ne fais pas ça, clic. Merci à Destro qui vient de resub. Papy Polka, alors Papy Polka a sub il y a 12 minutes. Putain, j'ai 12 minutes de retard sur le chat, à un moment donné, je vais être obligé de vous léser, les gars. On ne peut pas s'en sortir. On peut pas sortir. J'ai toujours 12 minutes. À chaque fois que je regarde, j'ai 12 minutes de retard sur le chat. Alors on avance. Alors, on y va. Pika Poder, fais bonjour, pas ici. Seulement Pika, je t'ai toujours pas appelé au téléphone, c'est prévu, j'essaye de t'appeler ce soir pour qu'on voit ce qu'on doit voir, qui n'a rien à voir avec le live ou le professionnel, mais le personnel, c'était le message personnel du moment. Bref, de parler de folie avec un pauvre petit fou qui merci à toi, j'ai rien compris, Fugel, je crois que j'ai eu de travers, mais c'est pas grave, j'ai déjà passé la ligne. Côté découverte extérieure, il y a le Stunfest à Rennes le week-end prochain, ça peut être sympa pour tester des choses. Alors, oui, il faut que je puisse m'organiser aussi, hein, du jour au lendemain, le gars, il peut pas, hein. 10 minutes de retard sur le chat actuellement, cool, super loulou. Papy fail, je lis un petit peu ce qu'il y a. Fais ce qui te plaît Alex, vois avec matériel.net pour un sac pour cam PC, pour un setup live IRL. Alors c'est compliqué, les partenaires c'est très compliqué. Vous pensez qu'il suffit juste qu'on appelle et qu'on fasse hey? Non, faut justifier les vues, le projet, le machin, le bidule. Faut justifier tellement de trucs que des fois tu te dis putain le projet c'est cool, ça va passer à l'aise et nope. Donc c'est très compliqué et les vues dépendent des budgets. Plus tu es gros, plus ton budget peut être gros. Voilà. Celui avec ton problème peut-être de vouloir tout trop bien faire.
d'accord avec toi. Il y a moyen de faire de l'IRL un peu à l'arrache, mais sympa quand même, et c'est ce que je voudrais faire. Il y a un type sur Twitch qui voyage en stop avec ses batteries, ses deux téléphones, et c'est plaisant à regarder. Et bah, c'est ce que j'ai prévu de faire le plus possible. Sale souci, j'ai pété mon téléphone, donc faut vite que je trouve une solution. Et voilà. Mais mon téléphone, c'est la chiasse à Dallas. Donc, voilà. Faut que je trouve des solutions là-dessus. Hein. Ce n'est pas une demande aux marques de téléphone, puisque aucune marque de téléphone ne voudra m'en offrir un. Donc, ça, j'avais déjà essayé. Les marques, c'est un réel souci. Hein. Quand tu veux sponsoriser, machin, bidule, les mecs, il faut que tu fasses des watts milliards de vues pour qu'ils envisagent de te financer un truc. Oh là, le bordel. Oh le bordel. Avec les chiens, le projet est tombé à l'eau. J'ai vu, je crois, trop gros. Bref, on verra. Exactement, un streamer est censé de faire ce qu'il a envie de jouer. J'essaie de le rattraper, je suis désolé, c'est pas que c'est pas intéressant, je le lis. Hein. Chut, on attend qu'il le rattrape. C'est un opérateur belge qui avait fait une demande de sponsor. Enfin, mais ouais, mais c'était un opérateur de téléphonie, enfin de fixe. Il voulait que je dise que leur internet était trop cool et que j'étais belge. Mais okay. J'ai pas, c'est le côté de la France, quoi. Bah oui, c'est un peu chiant. Je suis près de Nantes du 3 au 7 octobre. Si tu as des idées qui se tournent dans cette période-là, tu auras un cadreur. Yeah, salut Ramey. J'entends que c'est pas vu. Là, il y a des mecs qui se disent tu es beau. Perso, j'ai découvert ton taf avec la série Walking Dead sur Minecraft. Oh, il y a longtemps, il y a un paquet d'années, j'ai toujours plus ou moins kiffé. Il y a plus ou moins. J'ai lâché avec une overdose de GTA, mais le retour des Minecraft sur YouTube m'a fait revenir ici. Yes. Minecraft, je vais être franc avec vous, il n'y aura pas de nouvel épisode. Le mode pack est chiant. Le mode pack est chiant, on l'a fini. Il me reste 3 générateurs à faire, 2 pauvres modes et on n'en parle plus. Il est chiant, pardon. Mais voilà. Donc, dernier épisode, c'était le dernier sur YouTube. Hé, hey, content YouTube. J'ai vraiment l'impression que tu as peur de régresser en qualité image en faisant des nouveaux projets comme IRL. Tu parles de gros moyens, etc. Faux problème. Oui, c'est un faux problème. C'est pour ça qu'il faut que je fasse ça. Il faut juste un téléphone. Mais ça, le téléphone, je vais le trouver. Nos sous-sails, je vais le trouver. On est toujours aux jeunes qui commencent, qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de matos à mes yeux. Alors oui, mais... Alors, je suis d'accord avec toi. Cependant, en fait, quand ça fait 10 ans que tu es ancré dans le décor d'Internet, un peu moins de 10 ans, tu finis par te poser une vraie question, c'est est-ce que les gens n'attendent pas de moi un professionnaliste aigu ? Mais pour autant, je ne gagne pas 15 000 balles par mois, tu vois. Donc, en fait, comme j'ai des revenus corrects, mais modestes, bah, je ne peux pas forcément investir comme je voudrais. Or, comme je ne fais pas assez de vues, les marques ne sont pas assez chaudes. Or, tu as toujours le truc de dire, mais est-ce qu'on ne va pas dire que tu te fous de la gueule des gens parce que c'est du bricolage ? Mais en même temps, bricolage, hein, c'est vachement bien. On le voit de plus en plus, notamment sur GTA, des streamers qui se forcent et finissent par rager. C'est perturbant pour un viewer. On regarde un stream pour s'éclater, perso. J'aime ta spontanéité, ton humour, ça fait du bien. Merci à toi. Salut à Corentin. Salut à mon Kyle. Des fois, j'ai l'impression qu'en lisant son chat, il lit son horoscope. Tellement bélier. Horoscope. Excusez-moi, on fait la pause horoscope. Mais attends, Alex, tu vas reprendre 20 minutes de retard. Ouais, c'est la vie, ça. Horoscope.fr, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Allez, hop. Je vous cite mes sources, moi. Il n'y a pas de problème. Alors, horoscope. L'horoscope du printemps 2019, on va prendre pour moi. Est-ce qu'il y a Sagittaire, s'il vous plaît? Un printemps, dans la ligne, continuez. Est-ce qu'on peut pas? Mais non, il faut tout. Ah, il faut payer et tout. Mais gros, je veux juste Sagittaire, moi. Filez-moi mon horoscope, là. Qu'est-ce que c'est? Mon horoscope du jour, nickel. Alors, Sagittaire, où est-ce qu'il est? Là. Sagittaire. Alors, Sagittaire, votre climat astral. Ah, putain, mais c'est long. Eh ben, c'est long. Humeur, 1 étoile. Faux. Je suis de très bonne humeur. Attention, nerveuse et le désir d'être parfait. Allez, ça craint. Quand ils sont exacerbés, venez, les maladies. Psychosomatiques. Détendez-vous. Je suis détendu, là. Vous accumulez le stress pour des raisons futiles et risquez de vous lancer des pics sarcastiques qui vous attireront des regards noirs ou des sourires forcés. Amour. 3 étoiles. Ok. Loisir. 3 étoiles. Argent. Ah, argent, c'est pas ouf. 2 étoiles. Travail. 2. On fera pas l'horoscope, c'est vraiment de la merde. Merci Théo, qu'on voit 1000 bits. Ah ouais, carrément. Bonjour Monsieur Click, c'est mon premier coup de bite. Le jeu de mots est très rigolo. Ah oui, je sais. Ça m'est très Patrick Sébastien, mais j'aime beaucoup. C'est mon premier coup de bite. Il est pour toi, Kappa. J'aime beaucoup, merci à toi. Théo m'a éclaté, voilà. Putain, je suis toujours en retard. Je suis en retard. Alors attends, perso, je venais pour toi. Mais quand tu t'es enfermé, de plus en plus, mon envie de disparaître, de plus en plus. Et bah, ça fait plaisir. Je viens pour toi, la moitié des jeux me gonfle en vrai. 30 ans, je suis adulte, il paraît, ça fait 4 ans que je fais le tour des bars. Comment je suis passé de je venais pour toi et t'étais devenu chiant à je suis au tour des bars. C'est pas mal. Mais c'est intéressant. C'est hyper simple. Enfin, c'est hyper sympa en faire ça tous les jours. Métier et facu, mon gars. Vu le retard que tu as, ce message sera lu en 2022. Perdu. Toujours en 2019. On est toujours le 13, mais 15h08. C'est Alex, il est comme. Ah, bah, Deathstroke, 7e mois. Deathstroke, 6 minutes. Putain, j'ai divisé le temps par 2. On est pas mal. J'essaye d'avancer.
J'ai 14 minutes de retard, mais c'est bon, c'est bon. Bref, continuez de partager ta folie avec nous, pauvre petit fou. Je vais reprendre vos questions, mais j'essaye d'avancer déjà. Je peux pas vous dire, allez-y, faites péter vos questions, je vais reprendre 20 minutes de retard. Moi aussi, je suis papa comme toi de deux enfants, avec le planning serré du quotidien, les entrées, sorties d'école, leurs loisirs, repas, bains, histoire, coucher, etc. J'ai aussi envie de faire plein de trucs, changer de vie, de boulot, mais j'ai l'impression, traite de la maison, de remplir le frigo, non pas pour moi, mais pour offrir à ma famille un certain confort de vie, durant la sortie de barrières qu'on se fixe. Mais alors, je suis tout à fait, alors, hipster. Putain, frère de vie. Alors, oui, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Tu le sens, là, le truc sous la gorge qui fait « T'as envie de tester des trucs ?»« Ouais, vas-y, bouge. Bah, je vais me couper. » Non, mais t'as envie de tester des trucs ? Tu veux changer de métier ? Ouais, 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 vas-y, bouge. Bah, je vais me couper. Bah, alors, bouge pas. Et c'est très dur. Je suis assez d'accord. C'est très dur, hipster. C'est pas facile, en fait. Voilà. T'as ragé, tu as ragé pendant un tournoi. J'ai pas ragé pendant le tournoi, je joue mon tournoi à côté, Dream. Tout va bien, le tournoi, tout va bien. Sale troller. Demande le backpack Twitch. Alors, il se prête, il ne se donne pas, il se prête, le backpack Twitch. Faudrait que je vois ça avec eux. Merci à Théo, 1000 bits encore, qui dit coucou, je regarde du taf. Mais faut pas le dire à mon patron. Salut Théo. Salut ton patron. Que pense ta famille avec la situation qu'il faudrait que je pète un coup. Voilà. Je crois que j'aime pas Minecraft. Toi aussi. Ah, Musa qui confirme que le modpack est chiant. Ok. Personnellement, j'ai un Neflos Y5. Il vaut pas cher. Qu'est-ce que c'est un Neflos ? Attendez, quand je sais pas. Google. Neflos Y5. Ah ! Non, pardon, c'est pas si moche que ça. C'est un téléphone à 105,75€ sur Amazon. Il est aussi à 89€ chez Ubaldi, que je ne connais pas Ubaldi, je ne sais pas ce que c'est. 145,56€ chez Amazon aussi. Ça doit être un autre modèle gris ciel. Il est aussi disponible chez Rakuten, que je ne connais pas. Ah si, Rakuten, putain. C'est pas le mec là qui a le géant de l'internet qui a en plus perdu des enfants il n'y a pas longtemps dans le... Bref, je vais encore. Ça sent la connerie. Donc, on continue. J'ai arrêté de te regarder. Avec le GTA RP, je suis pas trop fan du RP, mais du RP Arc. Je pensais que ça me ferait kiffer plus. C'est très peu d'intérêt. Ok, merci à toi. Merci à Théo pour les 1000 bits. J'ai plus que 3 minutes de retard dans le chat. Magnifique. Désolé, Alex, mais j'ai vraiment l'impression que tu radotes. Ce n'est pas la première fois que tu nous dis ça. Pour exemple, l'histoire des chiens. On t'a tous dit en majorité, go, vas-y, fais-toi plaisir, il y en a d'autres. Vraiment, pose ton cerveau, fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas le seul, mais je ne suis pas... pour les jeux, mais pour toi, perso, je pars du principe que travailler pour bouffer, c'est juste horrible. Il faut d'abord s'éclater dans ce qu'on fait. Après, je suis célibataire. Ouais, je pense qu'il y a une différenciation. Et je suis tout à fait d'accord avec toi dans ton message. Mais c'est toujours compliqué entre le fait que tu te dises « go, je vais le faire » et de le faire réellement. Surtout quand ça peut impacter beaucoup de choses dans ta vie. Tu vois, Kenny qui vient d'arriver, on va le move après, juste après, comme ça va venir avec nous en vocal. On va vous parler du projet de Kenny. Le projet de Kenny, on va en parler juste après. J'avance juste dans le chat et on va en parler. Il est mort de rire, le con. Ça va, vous, Kenny? Mais oui, il y a toujours une complexité entre le fait de dire je vais le faire et le faire. Tu vois, tu peux tromper 1000 fois une personne. Non, tu peux. 6 minutes GG. Non, attendez, vous énervez pas, il faut que je rattrape ce chat. Théo, putain, 2 minutes de retard, nickel, je rattrape mon chat. Merci à Kenny pour son host. J'ai pas tant de retard que ça, c'est bon, je suis en train de rattraper. C'était comme rue du commerce, Ratouken. Non, je me suis peut-être planté dans ce que je disais. Ratouken, c'est fait surtout un nom de sushi dans un ramen. Oui, c'est possible, mais si tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Coupe le live et fais ce qu'il te plaît sans demander l'avis des viewers, car en demandant l'avis, c'est une... pas sauter le pas. Pardon. À un moment donné, le live s'appelle FAQ, foire aux questions et projet. J'en parle en fait. Juste j'annonce. Mais par contre, c'est pas, je demande pas l'avis des gens. Je leur demande pas. En fait, ce que tu appelles l'avis, un avis, c'est intéressant d'avoir l'avis des gens. C'est toujours intéressant. Ce que tu demandes, c'est une validation. Et ce n'est pas ce que je demande aujourd'hui. Je ne demande pas une validation des viewers. Je viens indiquer qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont réellement changer. Après, si ça ne te plaît pas, je suis pour rien. Mais... Ah, pardon. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis, moi. C'était Ritoni. Mais ce n'est pas méchant, Ritoni. Tu fais très bien. C'est très bien de le dire. Mais si, je peux t'assurer que si. Ce n'est pas un... Je ne demande pas une validation des gens. Je demande un... Voilà. Salut, tu sais qu'il y a des mois de ça, on avait parlé ensemble d'un projet chien. Mais ouais, stop t'enfermer sur des plannings, sur du GTA RP, fais ce que tu as envie, c'est mieux. Ouais, et le projet chien, j'ai envie de faire des trucs, mais j'ai pas envie de faire que ça.
en fait. Et le projet chien, j'ai pas envie d'investir 150 000 euros pour faire que ça, en fait. Parce que déjà, j'ai pas les 150 000 euros. Voilà. Je les ai pas. Alors bon. Hein. Et puis après, parce que ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est pas juste un blocage sur un truc. Je fais ça. Enfin, moi, j'ai envie de vous proposer, je fais ça. Ça, c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me correspondrait. Je comprends que la situation soit très compliquée. Je vois ta situation un peu comme je donne ma démission pour faire ce que je veux ou pas. Bon, c'est que j'exagère, mais tu la vois actuellement. Oui, mais c'est pas facile quand t'as des responsabilités. Voilà. Je connais un mec qui a un chouette en heurte pour gagner 150 000 euros. Mais c'est vrai que maintenant, le chat est un jour où il s'appelle Kabak. Allez-y, pouessez-le, Kraken. Mia culpa, je n'avais pas l'impression que ta décision était prise. Si, Ritonia, non. Juste, j'aime bien avoir vos ressentis parce que je me rends compte qu'en fait, vous êtes tous assez d'accord pour dire on s'en branle en fait. Go mec, c'est drôle, on viendra. C'est nul, on partira. La dure loi du divertissement. Bref, alors, c'est l'instant où avec Kenny. Kenny, es-tu prêt? Je sais pas, après quoi j'ai raté un truc. Nous allons vous parler de notre projet. Ah oui. Écrit sur un coin de table pendant que Kenny était en live, où je vous lis la conversation. Attendez, je vais masquer des bouts de conversation à l'oral. Ou comme ça, ah oui, ça m'a pris et j'ai envoyé. Attendez, je remonte. Attends, c'est où? Voilà. On se trouve un sponsor et on fait du bup bup en vidéo. Il me répond, bah oui. Et je lui réponds, non mais Sandek, je suis sérieux. Il me dit, mais moi aussi, oui. Bon bah alors, go, on trouve un sponsor. Je lui envoie des trucs. Je lui dis, ça, c'est les trois plus grosses marques de. Attendez, on va y venir. Et il me dit, ok, et on trouve comment un sponsor? Bon, on contacte, on espère qu'ils veulent bien payer. Ah ok. Bon bah voilà. Je vais faire un live. Ok, ben j'arrive. Bon, je suis essentiellement à base de hockey, à ce qu'on comprend. Hein. T'es très hockey comme garçon. Je suis un suiveur, moi. Oui. Tu n'as pas peur, justement, du fait de vouloir faire plein de trucs, que tu te perdes encore plus? Bah non, pire, j'irai bosser au McDo. Non, mais en toute franchise. Mais je peux plus rester enfermé aujourd'hui que dans un truc qui est faire plaisir à des viewers qui voudraient voir qu'un seul type de programme, en fait. Par exemple, je vais être franc avec vous, je trouve que le programme de Kenny du Midi est exceptionnellement bon et rigolo et mériterait d'être plus connu. Et c'est pas du suçage de cul, en fait, c'est pur. Il y a plein de programmes sur Twitch qui sont cool, mais qui aujourd'hui ne sont pas mis en valeur, ne sont pas regardés, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans le moule du gaming Twitch que les gens ont l'habitude de voir. Donc si c'est pas dans le moule, non. Voilà. Non. Non, moi je veux voir que ça. Ma passion, c'est que ça. Merci Chromen qui est dans ce quatrième mois parmi nous. Merci à toi. Chromen qui dit salut, je suis un viewer opportuniste, du coup, je me porte aucun intérêt au planning. Perso, j'ai découvert sur GTRP. En plus de ça, j'ai bien aimé tes lives sur du style farming, anno. Et surtout, j'ai adoré le live chien. Vous aidez beaucoup à l'arrache où tu racontes ta vie. Pas besoin de matos, à contrario. Je ne suis pas fan de The Division et Minecraft, mais tu peux te faire du contenu qui plaît tout le temps à tout le monde. C'est pas pour autant qu'on t'oublie. Mais je suis bien d'accord avec toi. Merci à toi, Chromen. Donc, avec Kenny, on se dit. Attention. Je crois qu'on n'est pas prêt pour la réaction des viewers en mode ouais, faites-le, mais bon courage pour trouver la thune. Parce qu'en vrai. Ça va, c'est la réaction de tes viewers. Ouais, j'ai commencé à regarder, en fait. J'ai vu les prix, j'ai fait ouais, mais gros, on est mal. Alors, je vous explique. Vous savez ce que j'ai envie de faire là aujourd'hui? Là maintenant, si je m'écoutais, si j'avais les sous. Caca. Non, pas du tout. Si j'avais les sous, tu sais ce que je ferais? Non. J'irais m'acheter un SSV. En fait, je suis fanat de sport mécanique, de quad, etc. depuis longtemps. Et j'en ai pas. Ok? Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de proposer à un de mes meilleurs amis, qui est Kenny. Enfin, je lui ai proposé, il m'a dit « je suis chaud hein. ». Lui, il est toujours chaud. Dès qu'il y a un truc rigolo à faire, il est chaud de toute façon. Là, lui, okay. Tu fais quoi entre temps et temps? Moi, je m'en branle, je viens, moi. En fait, j'ai envie de choper un SSV. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un SSV. C'est comme un quad, ouais, voilà. Mais à deux places assises à côté. Vous voyez, comme un buggy. C'est une voiturette de golf, c'est une voiturette de golf, mais 180 chevaux. Et en fait, je suis fanat de tous ces trucs-là. Et je ne suis pas… Alors, moto, j'adore la moto, mais en fait… J'ai envie de me taper une barre et de trouver un SSV, de le rebricoler ou un truc comme ça, de foutre des GoPro dessus, de s'entraîner avec Kenny, d'apprendre à le conduire déjà, et d'aller faire un raid. Vous savez, style 1000 bornes en buggy, en passant par des routes, des chemins, des machins. Voilà. Elle demande un sponsor chez Epic, hein, parce que c'est les bagnoles qu'il y a dans Fortnite.
Ouais, non, ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de sous. Mais après, alors là, j'étais super chaud, les gars. Après, j'ai regardé le prix des SSV. Et j'ai fait... ouais, je trouverai jamais un sponsor à 18 000 euros. En vrai, j'ai vu le prix, j'ai fait « Wow !» Changer de vie de métier demande une dose de courage et des années de réflexion, ce qui a été mon cas. C'est toujours plus simple quand tu es jeune et sans enfant, je suis assez d'accord, mais c'est pas impossible pour ma part. Moi, après 19 ans dans une SSI, ouais, une SS2I, j'ai retrouvé goût au travail et je suis indépendant. En tout cas, je suis devenu sur tes lives pour The Division et je suis resté pour ton humour. Je t'écoute en travaillant de chez moi. Go, saute! Oh, yes. Et t'incite à sauter, dis donc. Ouais, mais de ouf. C'est ça qui me fait un peu flipper. De où qui veut que je saute, le garçon? Merci à toi pour ton message. On a été content de te connaître, Alex. À mon avis, vous allez vous perdre. On vous reverra jamais. Mais arrête! Alors, j'ai pas le sens de l'orientation. C'est-à-dire que ma femme gueule hier, je me suis encore paumé en revenant de la mer. C'est pas loin, j'étais à Pornic, Kenny. Oui, bah oui. Je me suis paumé en revenant. Je sais pas ce que j'ai foutu. Normalement, la route va tout droit jusqu'au périph. Mais je sais pas ce que j'ai branlé. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de me taper un truc, tu sais. J'ai envie de me taper un délire. Pardon, ça fait. Je suis désolé, le mec il est chez lui, il fait sérieux le gros là. Il a plein de monde, il est en train de nous dire qu'il veut juste taper un délire, nous le filmer et faire du pognon. Mais ouais! Mais c'est ça l'arnaque! J'ai envie d'attraper un SSV, tu vois, d'apprendre à le conduire, on l'emmène je sais pas où et blaah! Et on le casse. Non, enfin, on roule avec. Mais fais-le. Ah ouais, alors là, par contre, va trouver le sponsor, Michel. Hein. Parce que aujourd'hui, on marque, on va être franc. Alors, de mémoire, il y a Kimco qui fait des SSV, Can-Am. Ils font des gros trucs de ouf. Je t'avoue, t'es sponsor au Can-Am, mon pote, ça envoie du steak. Yamaha aussi, les Kimco sont pas mal. Il y en a plusieurs qui en font. Je vais les contacter. Ils vont mettre des râteaux. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire des projets pour moins gros que ça et les mecs, pour 500 balles, déjà, ils pleuraient. Alors, en fait, je me vois bien arriver demain chez un fabricant de quad et faire « Bonjour ». Alors, je vous explique. Je fais du live, plus ou moins 1000 personnes, ça dépend des jours. Je fais des vidéos YouTube, plus ou moins des vues. Ça vous tente de m'offrir un SSV et sponsoriser la nouvelle émission? Et le mec, il fait « Vous êtes qui, déjà ?» Merci Pingouin les anciens, 9e mois parmi nous, fait bonjour chef, j'ai raté beaucoup de choses, je viens juste d'arriver de l'hôpital où j'ai accouché de Cliquette, Kappa, 9e mois parmi nous, merci à toi pour le jeu de mots qu'il a accouché de Cliquette, il vient de l'hôpital parce qu'il est 9 mois, un enfant de moi, avoir un autre enfant, c'était quoi Kenny, cette chanson, merde c'était voilà, je sais plus, ok merci, mais j'ai un truc à te raconter moi. Attends, que j'ai vécu attends, ce week-end, attends, j'ai le téléphone qui sonne, je sais pas qui c'est, je décroche, c'est moi, je t'appelle, c'est toi qui m'appelles? Non, non. Ah non, attends, j'arrive. Oui. Ah bah voilà, il raconte n'importe quoi. Ah si, c'est bon. Là, il va couper son micro. Il devrait, normalement. Non. Ça dépend de qui est l'audio. Ça vend des assurances, ça. Ah, moi j'ai ça tous les jours. Ah ouais, ah. Alors moi, en général, quand j'ai ça, je m'amuse. Je vous avais demandé qui? Mais vous êtes sûr? Mais vous n'êtes pas au courant, mais il est décédé! Et je commence à m'amuser avec la personne. Je fais, vous vous rendez compte? Elle m'a oublié! Ah, ça. Quand il demande monsieur ou madame, il a un nom comme ça. Il dit non. Je fais, ah bah de toute façon, c'est pas nominatif. Bah ouais, mais dans ce cas-là, demande. Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? Une assurance? Allô? Oui. Putain, je vous avais pas muté, c'était la clinique vétérinaire, j'attendais un appel. Résultat, elle a entendu Kenny blade. Elle comprenait rien, elle disait mais vous êtes peut-être occupé. Je dis oui, je vais vous rappeler. Vous inquiétez pas, inquiétez pas madame. On va bien. Bon, j'allais te raconter un truc. Ouais, vas-y. Ce week-end, j'ai parti jouer du côté de Perpignan, ouais. Et j'ai rencontré un mec que je croise par affiche interposée dans toutes les salles où on va jouer, qui s'appelle Laurent Febvet. Et peut-être que certains le connaissent parce qu'il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il est pas mal suivi par beaucoup de monde. Et ce type-là, il s'est amusé depuis quelques années à faire des vidéos depuis l'arrière de sa bagnole, où il critique, on va dire, vivement les stars de télé-réalité, de choses comme ça. Et en fait, ce week-end, là où on jouait près de Perpignan, le festival qui nous faisait venir était sponsorisé par Hyundai.
Et Hyundai qui avait pris connaissance de la venue de ce type, Laurent Febvet, qui est très sympa d'ailleurs au passage, il lui a proposé, lui a dit, écoute, plutôt que de faire tes vidéos depuis ta voiture toute pourrite, nous on te propose de te prêter une Hyundai, tu choisis le modèle et tu le fais en partenariat avec nous, tu fais tes vidéos dans ta voiture, mais ça sera une Hyundai en fait. Et comme quoi, certaines marques, oui, peuvent, il faut trouver, trouver un arrangement quand même, parce que je dis pas que Kymco va te filer un SSV tout neuf, tout beau, machin, tout ça, mais peut-être que partant du principe que c'est une idée qui est plutôt cool. Je suis en train de regarder justement combien de vues il fait. C'est pas pour dire qu'il est bien ou pas. Je ne connaissais pas Laurent Febvet. Je vais regarder. Laurent Febvet, ouais. Sur YouTube, tu m'as dit. Hein. YouTube, il a 150 000 abonnés sur Facebook. Il est sur Instagram pas mal aussi. Ok, je regarde YouTube. Parce que sur quoi ils ont dû se caler? Sur YouTube, je pense. C'est possible. YouTube. Non, pas ce YouTube-là. Pas celui-là. C'est pas vrai. Je suis sur YouTube, les gars. Oh. Alors, attends, je regarde. 18 000 abonnés. C'est ça qui est dingue. T'as des marques, en fait, qui sont super chaudes. Parce que moi, la plupart des marques avec qui j'ai voulu bosser... 10K, 11K... Bon, faut qu'on... Eh ben, regarde sur Facebook. Il fait un peu plus, je pense, de vues sur Facebook. C'est peut-être pour ça, en fait. Hein. Bon, c'est mais con, j'ai un autre exemple. Hyundai, il fait pas de SSV. J'ai un autre exemple, oui. Comme quoi le culot paye aussi, tu vois, c'est que moi, pendant que je fais mes lives, au-dessus de ma tête, derrière moi, j'ai mon compteur Flapit, qui compte en direct. Non, on ne parle pas d'eux, ils n'ont pas voulu me l'offrir, c'est salaud, j'y suis allé au même culot que toi, j'y suis allé le lendemain où tu m'as fait, oh, j'y suis allé au culot, les mecs, ils ont dit, ils vont m'en envoyer un, j'ai fait, oh putain, enfoiré, moi aussi, je fais bonjour au culot, et ils m'ont fait, non merci. Ben voilà. Non, mais... Toujours est-il que moi ça a marché. Ils m'ont dit bah écoute, on aime bien ta démarche, tout ça. On y va, on t'enfile un et tu fais ce que tu peux pour parler de nous. Bon bah moi maintenant je les ai mis en sponsor de mon émission chaque jour et il est au-dessus de ma tête et comme ça les gens le voient tout le temps et j'hésite pas à le citer, tu vois, parce que c'est un compteur qui coûte quand même la peau du fion. On va pas se mentir, c'est pas facile de se le procurer. Moi j'ai eu un coup de bol énorme, mais j'y suis allé au culot quoi. Ah mais ouais. Mais alors. Faire des vidéos comme Devin Supertramp. Tu sais que ce mec, alors vous connaissez Devin, je peux pas montrer de vidéo sinon je vais me faire strike, mais allez voir Devin Supertramp sur YouTube. Je sais pas si tu connais Devin Supertramp. Pas du tout. Je suis un gros fan de ses vidéos, donc vous tapez Devin, D-E-V-I-N. Ouais. On s'en fout, c'est un retour de moi. Devin Super comme Super, Tramp, T-A-R-M-P, et vous verrez ça. J'arrive sur sa page. Alors il y a des OPSP dedans parce qu'il faut bien à un moment donné bouffer, hein, les OPSP sont présentes, mais alors. Il y a toute une équipe technique, les gars. Et puis, il y a beaucoup de gens, c'est des freeriders, c'est voilà. Mais c'est un réalisateur de génie. Et en fait, voilà ce que j'aimerais faire au quotidien. Pas faire n'importe quoi. Enfin, c'est pas... Attendez, on se la refait. Coupez ! C'est pas ce que voilà ce que je vais faire au quotidien. OK ? Développement personnel, tu le veux, tu le peux. On l'a perdu. Oui, mais il sait que s'il enlève, non, tu le veux, tu le peux. Répète après moi, tu es bon, je suis bon, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Tu peux les croquer, je vais les croquer. Oui, pas trop non plus. Alors donc, si vous allez voir Devin Supertramp, c'est vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est très, très drôle. Vous avez plein de groupes qui font comme ça. Et moi, j'ai envie demain de marrer et au-delà de voir et de vous proposer des choses atypiques. C'est vrai que je vous en ai parlé à un moment donné, mais oui, j'ai envie d'aller vous proposer des choses atypiques, d'aller chez des gens atypiques, de pourquoi pas venir chez vous. Mais j'ai pas envie de m'enfermer dans on fait que du chien, on fait que du machin, on fait que du bidule. J'ai envie en fait de vivre aux frais de la princesse en fait. Bim, j'ai envie de faire du saut en parachute, une vidéo sur le saut en parachute. Bim, j'ai envie de, tu vois. Ouais, mais regarde, aux frais de la princesse, tu parles mon gars, oui. Tu parles de ce type-là, Devin Supertramp. Est-ce qu'on peut s'intéresser ou est-ce qu'on peut y a moins de savoir comment il a débuté toutes ces vidéos? Si on regarde ses premières vidéos, oui. J'imagine bien qu'il n'avait pas tous ses moyens, qu'il n'avait pas tout ce monde qui le suivait. Il a commencé comme tout le monde, comme toi, comme moi, avec bien zéro abonné. Et ils sont arrivés à un moment ou à un autre. Mais il venait de la prod quand même. Dès le départ, il avait des moyens. Au départ, en fait, il a fait beaucoup de vidéos d'animaux. Si tu regardes ses premières vidéos il y a 8 ans. C'est beaucoup de vidéos d'animaux, de choses comme ça, où le mec juste s'est posé et a filmé des jolis trucs. Et plus c'est venu, plus tu vois, il est monté, etc. Merci Phoenix, 5000 bits. Mais vous êtes complètement craqué, j'ai entendu parler de toi lors du Heroes of YouTube. Putain, c'est vieux, mais j'ai réellement suivi ton projet à partir de ton premier FTP, le 3, je crois. Lorsque Pierre est venu te rendre visite, je me suis tapé le plus gros fou rire de ma vie depuis que j'ai regardé toutes les rediffs. J'étais heureux de voir. Alors oui, cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai été invité il y a moult années.
faire un feed the Patrick. Merci Phoenix. Ah bah c'est Phoenix. Ah bah deuxième 1500 bits qui dit pour te remercier de toutes ces années. Voici un petit cadeau infime par rapport à ce que tu m'as offert. Désolé, un message un peu long, mais venant sincèrement. Merci à toi. Merci à toi. Alors, c'est pas obligé ni les bits ni les subs. Si vous en avez les moyens, c'est cool. Si vous n'en avez pas les moyens. Voilà, merci à toi, merci à Christus aussi d'être sans bite. Alors juste pour la petite histoire, et après on va revenir là-dessus, Feed the Patrick, en fait, c'était le gros truc hypé Minecraft. Et moi, j'avais rencontré Pierre à des cubes et des pioches à l'époque. Pierre et Bill, on avait bu. En fait, quand tout le monde était en mode... Alors moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez... Kenny est mon témoin de mariage et fidèle ami depuis quelques années maintenant. Et marieur. Et marieur aussi, putain, la totale, le gars, il a toutes les casquettes. J'existe parce que je suis très fier d'avoir marié. Tu sais que je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis pas compliqué comme garçon et je suis pas trop l'échage de fion. C'est-à-dire que mon Instagram, vous voyez plus des photos perso, enfin perso, pas familial, mais perso de trucs qui m'éclatent, plutôt que quand je croise quelqu'un de célèbre que vous connaissez, de commencer par faire un « tiens, hey, on se prend en photo ». En fait, ça me gonfle. Donc, comme je suis pas lécheur de cul, quand j'ai rencontré Pierre et Bill, j'ai pas dit « on fait des selfies » ou « je les ai pas saoulés », je fais « on va boire une bière ». L'alcool dangereux pour la santé, etc. Et après ça, il m'a dit « putain, mais viens dans notre série, machin bidule ». Sauf que je voyais tout le monde en mode faire sa pub. Quand il présentait tout le monde, oui, vous allez faire quoi, vous allez faire quoi, et tout le monde était là en mode, ouais, machin bidule, voilà. Et quand il arrivait à moi, il me dit, et toi Alex, présente-nous ton groupe. Bah nous, c'est les fermiers, c'est les trop durs, on va faire de la merde et le faire bien, puis si vous n'êtes pas content, vous boufferez nos merdes, et puis c'est tout. Et en fait, c'était juste moi, c'est-à-dire que quand tout le monde était en mode, oui, ma chaîne, c'est un tel, il faut venir vous abonner, quand on arrive à moi, on me dit, et toi, bon, moi je vais faire n'importe quoi, voilà, et puis c'est tout. Et donc, voilà, la ferme ta gueule, quoi. Et donc, c'était le jeu de mots quand il arrivait du « Salut Alex, à la ferme ta gueule !» Mais comment ça? Ben, on est la ferme ta gueule, voilà. Bref, merci Dream, qui vient d'offrir des subs, 2, 4, 5 subs. Merci à toi, Dream. Tiens, foufou, mon lapin, mon chef le clan. Eh, je sais pas pourquoi, je viens de rebriefer le 90 minutes de l'enquête. Le 90 minutes de l'enquête, gendarme du Sud. Bonjour. Donc oui, David Supertramp a commencé comme ça, mais... En soi, je pense que chaque... C'est pareil, tu sais, je me prends beaucoup trop la tête. C'est-à-dire que des fois, je me dis, oui, je vais refaire une chaîne YouTube. Parce qu'après, si on remonte dans les historiques, on va se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il avait fait avant? Oh là là, c'est pas ouf. Donc, est-ce que ça va... Vous voyez à quel point, en fait, ma vie est régie, depuis que j'ai des enfants, par... Tu peux pas juste le faire? Ah bon? Mais pourquoi? Non, non, faut réfléchir. Mais fais-le! Bon alors, non, par contre, je vais pas aller acheter un SSV là, comme ça, maintenant. Parce que là, bon, 18 000 balles, voilà... Faut pas... Mais on va voir. Voilà, c'est un des projets qui m'éclaterait, mais qui prendrait du temps. Alors, on va peut-être en trouver plusieurs, mais oui, j'aimerais bien finir dans un Maverick. Non, mais le truc, c'est une bombe. Tu l'as vu, le Maverick, ou pas? Je te l'ai envoyé. T'as vu le truc? Oh, putain. Ouais. Non, on va crever là-dedans, je te le dis tout de suite. En fait, j'aimerais bien faire un truc d'envergure où juste, en fait, vous ressentiez que je me suis fait à la fois kiki, caca dessus, tu sais, style pas bien, et à la fois jouis de ce style, faut changer le caleçon intégral et brûler le bonhomme avec, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc où, tu vois, où tu ressens le loue-le. Non, mais loue-le pour une vidéo. Non, moi j'en veux un, je le fous dans le garage, mon gars. Je suis cupède, je le mets dans le garage, faut s'entraîner. Imagine, j'ai vu qu'il y avait des raids en SSV. Moi, je me sentirais bien, tu vois, style un 1400 bornes avec Kenny en 5 jours, tu vois, c'est le truc où il y a compétition, tu vois. Ouais. On arrive dernier, mais en vie. Tu vois? Ou à la moindre bosse, on est là. Oula, attention! Fais gaffe, ça, tu penses, ça passe, chérie. Ça fera vieux couple. Ah non, mais ça va faire vieux couple, je vous le dis tout de suite. Parce que ça va te donner. Ah, je pense que ça passe pas, frère. Non, je te dis que ça passe. Ah, tu viens de casser les cieux. Merde, faut réparer. Voilà. Mais bon, on verra. Voilà. Mange un maroil, les deux sensations, ils sont. Oui, c'est pas con. C'est vrai que c'est un meilleur budget de bouffer un maroil direct. Mais voilà. Donc. Non, voilà, je pense qu'à c'est pas je pense, c'est à partir d'aujourd'hui, il y aura plus de choses qui m'éclatent, voilà. Et ça va pas être un faux semblant, par contre, il y aura pas de programmation telle quelle. Tu follow cette chaîne, tu mets le petit bip de recevoir un mail ou je sais pas quoi, le site web va être retravaillé aussi, je vais retravailler ça tranquillement. Kenny aime bien bosser gratuitement. qui prend en otage en live, tu vois pourquoi. Mais t'es une raclure! Ouais, je sais. Et à partir de là, il va y avoir une nouvelle façon de faire. Mais je veux plus être bloqué dans ce quotidien où je suis chiant. Non, mais soyons francs entre nous, à un moment donné, on a le droit de dire la vérité, je suis chiant. Ah, tu peux pas, à un moment donné, faut y aller là. Faut pas te donner de faux semblants.
Mais oui, mais moi je dis ouais, ok, pas de souci. Mais d'après toi, là je vois qu'actuellement tu as 62 873 followers. Je sais pas combien tu as de subs actuellement. Mais d'après toi, est-ce Merci que ça, tu ne risques pas d'endommager ton capital auprès de tous ces followers? Parce que peut-être que certains vont se... Est-ce que tu sais, est-ce que tu es persuadé que tous ceux qui te suivent, ou la majorité de ceux qui te suivent pour toi, ta personnalité, et donc que peu importe ce que tu fasses, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont accros à un GTA ou à un Minecraft ou un truc comme ça, tu vois? Ah, c'est moite-moite. Moi, aujourd'hui, je me dis que si j'ai envie de continuer à faire... En fait, la vraie question, elle est que demain, je pourrais très bien aussi décider de revenir peut-être à la scène ou à autre chose, de retenter de percer, ce qui serait dangereux parce que bah, j'y suis plus depuis un petit bout de temps. Oui, c'est vrai, c'est un petit bout de temps que je joue plusieurs scènes. et que de ce fait-là, tu sais, il faudrait le temps de se réimplanter dedans. Et même les copains comédiens et Kenny le premier, bah, faut toujours pas se battre, mais faut toujours être présent pour... voilà, c'est toujours... voilà, c'est un métier. Donc, en fait, je pense qu'il y a moite-moite. Sauf qu'à un moment donné, je pense que là, à force d'être chiant et con, bah, je vais tout perdre. C'est une vraie question. Putain, le mec est chez le psy, il est bien là. Oh, je remets le bel. Oh, on est bien là. Oh, on est bien là. Merci Pollux, 32e mois, merci à toi pour le resub. Avec Pollux, c'est ce qu'il dit. Et un mois de plus qu'on aime, quand on aime, on s'acharne. Non, je pense qu'à un moment donné, où tu finis par retravailler ce que tu es, c'est mon avis perso, hein, de pas psychologue. Attendez, je vais quand même me mettre en position. Ah ! Alors, docteur ! Ah, quand j'étais petit, à ce moment-là, j'ai pas eu mon vélo bleu. Ah là là, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait... Non, alors je te disais quoi, parce que je pars en couille comme d'hab, que oui, donc je pense qu'à un moment donné, il y a une grosse partie des gens qui sont là pour tel ou tel jeu, et une majorité qui est là pour le délire. Sauf que cette majorité qui est aussi là pour le délire, la moitié, je dirais, allez, 50%, bah... Au bout d'un moment, quand tu vois des jeux qui ont l'air insipides, où tu vois... Parce qu'en fait, j'ai regardé il n'y a pas longtemps aussi des vidéos de... C'est chiant, en fait, ce que je fais. Non, quand on faisait la ferme, oui, on se marrait mais bien. Voilà, ça, c'est drôle. Mais c'est chiant, putain, tout le reste. C'est chiant quand je suis là. Oui, il faut faire des trucs, c'est important. Suivez-moi, alors je vais vous expliquer. Oh, merde. Et moi, j'ai trouvé une autre façon Sinon, de jouer. Sinon, on fait à de la balade Apex, en forêt, exemple. Je vous montre les champignons, quoi. Ça va plus vite. Mais voilà, quoi. Merci à Christus qui dit sympa cette séance de psy pour toi. Tu déballes ton sac et tu reçois du pognon. Non, mais c'est bien, comme ça, je peux live qu'une fois ce mois-ci, continuer. Oh putain, c'est le pied. Il faudrait que je fasse un live psy, moi aussi, demain, tiens. Ouais, mais attends. Demain, le live sera pas chez moi, il sera chez Kenny. Je serai Kenny à partir de midi. Voilà. Au courant. Et tu viens avec un micro, un truc. Ah merde, hein. J'ai pas de micro USB. Faut que j'amène ma table son. Voilà. Non, mais on va voir. Oui, c'est vrai que c'est vachement bien. Au pire, on va faire ça. C'est une espèce de live de 3 heures, séance psy une fois par mois, pendant laquelle tout le monde sub en masse. Et après, je fais ah cool, j'ai 29 jours à profiter. Non, mais c'est pas vrai. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Go balade en forêt. En vrai, j'aimerais bien aussi balade en forêt. C'est tout con, c'est drôle. Enfin, cache-cache en forêt, mon gars. C'est lui qui se cache bien, on va pas le chercher. Ça, tu peux faire ça light au niveau équipement. Franchement, ça peut le faire. Hein. Oh, tu sais ce qu'il faudrait faire? Oh putain, j'ai une révélation. Attends, je prends chacun... une note. Oui. On fait vraiment un cache-cache en forêt. Chacun sur son live. Avec donc le téléphone en poignée, plus un petit micro posé dessus. Et on fait... Oh, une petite forêt déjà, c'est pas mal. Et on se fait vraiment un cache-cache en forêt. Ok. Avec... En plus, en forêt, personne pourrait t'aider. Genre, hey, il est derrière un arbre. Hey, il est derrière un arbre. Mais lequel? Avec le mec qui gueule dans la forêt. Mais lequel? Je t'ai entendu. T'es où? Ok. Ok, non mais ça me va. Cache-cache en forêt, check. Non mais à ce rythme-là... Bah demain. Le mec il est craqué, il veut tout faire demain. Peut-être pas demain par contre. À l'airsoft avec la caméra sur l'épaule. Alors moi je voulais une caméra comme ça qui peut se connecter pour live. Mais non, bah, si, moi j'en connais une. Mais elle est hors de prix, c'est la Mivo. Oui mais la Mivo, j'ai essayé de les contacter. Pareil en mode grattage, y a pas eu moyen, hein. Là ce week-end j'ai été filmé sur le festival que je faisais. Le mec ouf, il avait la Mivo, c'était chouette, hein. C'est chouette la Mivo, hein. Oh putain, ouais. Si vous voulez voir MEVO, la Mivo, c'est une caméra qui est plutôt cool, que tu peux mettre un peu partout. Et
Elle fait aussi du live via Twitch et c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, quand tu vois le prix, tu fais oula, c'est pas si bien. Oula là non. Oula là. Merci ouais. Tarlac, ouais. 8e mois parmi nous qui dit fais-toi plaisir, on partira pas. Ah si, à un moment donné, faut partir. Faut pas, on peut pas rester avec moi tout le temps. C'est pas à un moment donné. Mais voilà, la bivou est pas mal. Mais on va faire, con, voilà, on va avancer petit à petit. Le cache-cache, mais en fait, je veux trouver que des trucs cons en fait. Hein. En live, on peut faire ça en live et après, tu peux même en faire une rediff. C'est ça qui est drôle. moi, faut juste que je change. Moi, je suis prêt. Moi, je suis équipé pour. J'ai tout ce qu'il faut, moi, en tout cas. C'est-à-dire, t'as quoi ? J'ai poignée, j'ai support pour le téléphone, j'ai ce qu'il faut pour être équipé micro. Moi, je suis OK. Hein. Je suis partant n'importe quand. Oh, j'ai pas le support téléphone. Micro, je mets un attends, micro j'en cravate sur deux. Le téléphone. Bon, on verra. C'est du setup. On s'en fout, ça. Ouais. Par contre, faut que je change mon téléphone avant. Le mien, il fait la gueule, mais beaucoup, beaucoup. Ah. Donc, voilà. Faut que je vois, mais j'ai regardé chez Orange, là ils m'ont dit faut que j'attends 5 mois. Ou alors, je fais jouer l'assurance. Ok. Oui, mais faut que tu effaces tout de suite cette vidéo. Non, mais je voulais faire. Ah, bravo. Attends. C'est pas un placement Rhinoshield, mais il n'y a pas. Non, c'est bon, c'est pas pété. Je voulais juste faire semblant, tu sais. Et ça allait juste glider sur le bureau. Mais alors, comme je suis très doué. J'ai bien visé un bon 5 cm à côté. Ah bah super, bien joué. Oh le con, oh le con. Bon, bref. Bah du coup, vous envoyez des bits pour qu'ils puissent se repayer un téléphone. Non, mais non, mais je sais pas ce que je vais prendre. Moi, je veux juste, en fait, je voudrais un espèce de caméra live. En fait, je voudrais pas un téléphone, je voudrais, tu sais, une caméra prévue pour Twitch. C'est un truc foufou. Mais juste une SIM 4G et go, quoi. T'as un écran juste avec ton chat et puis tu filmes. Tu vois ? Merci, Emeraldine, pour les 100 bits. Pour les trucs en extérieur, regarde avec les offices du tourisme. Non, mais moi, j'ai envie de vous proposer plein de trucs comme ça. Voilà. Huawei est très bien en qualité d'image, je trouve. Oui, ma femme a pris un Huawei P. Je m'en fous. De toute façon, je fais de la pub pour personne puisque personne ne veut me sponsoriser. Un Huawei P20, je crois. P20 Pro. Putain, la qualité des images, en tout cas les photos, moi, je suis limite jaloux. Elle est au P20 Pro. Et... Fouah. C'est pas mal. Moi, j'ai la gamme en dessous, j'ai le P10 et déjà il fait des belles photos. Bah là, les photos, moi je fais avec mon Note 8, je fais les photos, elle fait la même photo, je regarde. Alors les couleurs, Kenny trouverait, tant que photographe, que les couleurs sont légèrement saturées, un peu trop. Mais elles sont belles quand même. Les flous sont bien maîtrisés. Alors je suis pas expert, pardon, je suis pas la chaîne YouTube expert en téléphone. Moi, des fois, je regarde des chaînes comme ça, je bloque. Alors moi, j'ai un problème avec YouTube, voilà, je voulais en parler. Non, mais vu que c'est un live psychanalyse. Est-ce que vous aussi, vous regardez une vidéo et à peu près 4h30 plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes toujours sur YouTube et que vous avez largement dérivé ? Comme on disait, moi, ça me fait ça avec la viande. Ouais, mais toi, on en a parlé l'autre jour. Non, mais nous, on a un problème avec la viande. Excusez-nous, les vegans, on est désolés, mais on avait une petite pensée pour vous quand on s'est tapé une grosse côte de bœuf avec Kenny. Pas si grosse que ça, en fait. Hein, on l'a bien niqué. Bref, c'est ce que je me disais. De quoi ? Putain, on est sur les vegans ou sur le reste ? Oui, YouTube ! Pardon, le chat dit oui. Mais je commence avec une vidéo style « Quel téléphone choisir ?» Et à la fin de la vidéo, je me dis « Mais il a raison, le gars. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. » Il y a écrit « Sponsorisé ». Je fais « Merde. » Voilà, bref. Et en fait, tu te rends compte que t'as bien dit. Bref, là, je bascule sur une vidéo de mec qui se casse la gueule. Là, je sais pas pourquoi j'arrive sur une vidéo tendance. Je dis bon, je regarde. Je la regarde. Non, c'est pas si mal. Tout le monde se fout de sa gueule, mais c'est pas si mal ce qu'il fait ce mec-là. Comme quoi ? Non, parce que les gens sont là. Ouais, c'est nul, enculé. Mais ouais, si ça marche, si ça lui plaît, il faut tout dans un monde. Là, à partir de là, je bascule sur une vidéo. Moi qui me fait chialer, c'est le retour de soldat à la maison. Là, c'est fini. Je regarde 10 d'affilée. Coming home. Tapez pas ça. Faites pas ça. Soldier coming home. Pas bon. Pas bon, c'est que des soldats qui sont partis au front 6 mois, 9 mois, qui rentrent en vie, qui font la surprise, en plein match de basket de leur fille ou de leur fils, sont là, ladies and gentlemen, à l'américaine, c'est que tout le stade, nous avons un message spécial pour Brian, ton père est soldat en Afghanistan, et là, Brian est là, oui, il a un message pour toi sur l'écran géant, Brian regarde l'écran géant, son père, salut bonhomme, c'est le sergent, t'es là, trop cool, c'est un film le truc, t'es là, tu dis, c'est la vraie vie aux États-Unis. Et là, il fait, oui, bonhomme, je sais que je peux pas être là pour ton match, mais je pense à toi et j'aurais peut-être une surprise. Et là, t'as le commentateur qui fait, mesdames et messieurs,
Merci d'accueillir comme il se doit le père de Brian, le sergent Patterson. Et là, brrr, brrr, le gamin se retourne en larmes. Papa, le père est là en habit militaire, fus, comme ça. Et tout le monde est là. Je fais 4 heures. C'est les vidéos. C'est dingue. Est-ce que je suis le seul débile au monde à regarder ces vidéos-là? Ou pas? Moi, je dirais que oui. Mais... Oui, mais c'est dingue. C'est ouf. C'est dingue. Je pleure, en plus, je suis là, oh, Brian, en tant que papa, je suis là, ouais, là. Après, dans ma tête, des fois, je me dis, ouais, je vais aller à l'armée. Non, non, mais non, ça va pas ou quoi, mais non, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'ai l'impression qu'après, j'ai envie de m'engager, c'est un truc de ouf. Ah, mais non, voilà. En fait, il n'y a pas que sur YouTube que tu dérives, Alex, dans ta tête aussi. Oui, alors donc, quel était le sujet, Kenny? Je ne sais plus. Alors, le sujet, je ne sais plus ce que c'était, mais vu l'heure, il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école, moi. Donc, du coup, le sujet, tu vas le rentamer tout seul, je pense. Ok. Bref, s'il y a encore des questions, mesdames et messieurs. Non, mais le cache-cache, putain, le cache-cache. Mec. Non, mais mec, on fait ça. Juste, il faut que j'arrive à faire mon setup là. Je vais tenter un setup et puis on va aller se faire un cache-cache en forêt. Il faut trouver une forêt. Alors, une forêt, parce que, attention, il faut trouver une forêt pas réservée qu'à la chasse. Tu sais, on n'a plus le droit dans nos forêts à l'heure actuelle de se balader. Non, mais s'il y a des forêts, c'est interdit de se balader quand la chasse. Parce que toute l'année, ils peuvent chasser là-bas. Ça, tu vois, cache-cache. Couillou, 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 pan. Couillou, couillou, aïe, aïe, aïe. Donc, non. Mais voilà. On peut peut-être faire aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas un principe de cache-cache, mais partout et n'importe quand, tu vois, un cache-cache dans un centre commercial, un cache-cache dans une rue, un cache-cache pendant une manif, j'en sais rien, tu vois. Faire des cache-cache, en fait. Le but de nos lives, c'est des lives cache-cache. Je suis caché. Voilà, bon, là, d'accord. Par exemple, tu ne me trouveras pas. Je suis trop bien caché, je suis sous le bureau. Ah, putain, dans un supermarché, style au rayon frais, tu sais, je suis dans un rayon qui est froid, et tu t'en vas, vite, comme ça, et les gens sont là, ouais, il est au congelé, le con, il est au congelé, hein, c'est pas mal, ça, un format que cache-cache, mais que cache-cache. Bah, de temps en temps, on se fait un live cache-cache, parce que moi, je renonce pas à ce que je fais à côté, hein, mais... On peut faire un cache-cache, mais dans une manifestation de gilets jaunes déguisé en Emmanuel Macron. Ah, c'est pas mal. Il faut courir. Vite. Bah oui, il faut courir. Mais oui, je confirme. Non, non, mais un cache-cache, c'est pas mal. On peut le faire, mais pas que ça. Pas que. Un live deviner où je suis, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. On va en faire plein. Est-ce que vous voulez un... Non. Un live en direct? Non. Je vais te poser un endroit, tu fais deviner où je suis. Le premier qui vient là où je suis, il a gagné. C'est salaud pour celui qui est à Strasbourg alors que t'es à Nantes. Après, oui, il est pas obligé de faire ça. Ouais, je vais pas faire 300 bornes. Je vais pas faire 300 bornes en disant salut, je suis à Bourg-en-Bresse. Le premier qui arrive, il a gagné. Le mec, il a gagné quoi? Non, tu dis pas où t'es justement. Ah oui. Et tu montres un petit peu aux alentours et fais voilà, je vais souvent être seul. Non, je vais souvent être seul. Je vais souvent être seul. Je vais te le dire. Oui, et oui, alors, oui. Ce qui est pire, Fox, je te le dis, c'est si personne ne vient. Si pendant une heure tu dois dire. Ah, devinez où je suis et rejoignez-moi. Et que les gens devinent et personne t'en joue. T'achètes un acteur et tu fais croire. Ah oui. C'est un viewer. Oh, je t'ai trouvé, machin. Oh, mais c'est bien. Vois, ça, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es totalement. Belle mentalité. Ah bah, je suis sûr, il y en a plein qui le font. T'es viré. Tu dégages. Je suis pas payé, je peux pas te virer. Ah oui, c'est vrai. Alors sinon, je l'ai dit sur mon Discord, je vends un PC portable. Non, mais parce que comme personne veut l'acheter, je le redis. Je vends, je vais remettre l'annonce sur le Discord, je vous mets le lien du Discord. Je vends un ordinateur portable. Bah si, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Il a dit, ouais, je suis chaud. Puis après, non. Non, je vends, je vais remettre l'annonce dans... Je l'avais mis où? Attends, je la retrouve. Un PC. Bon, bah, le temps que tu retrouves, moi je me casse. Hein. Voilà, okay. Merci Kenny, à bientôt. Oui. Portez-vous bien, parce que... voilà, avec on joie. Vous aime, on vous aime. À demain. Au revoir, à demain. Mais tu viens vraiment demain ou pas? Je sais pas, je viens ou pas. Bah moi, oui, tu peux venir. Hein, et bah je viens demain. Demain, mesdames et messieurs, ce sera sur la chaîne de Kenny. Je sais pas comment on va s'organiser, mais demain, midi 13h, pardon. Est-ce qu'on pousse un peu et on fait à manger? Oui, on peut. Donc, on commence l'émission midi 13h et après, on fait un live depuis ta cuisine. Ah oui, ça peut être sympa, oui. Tout à Allez, fait. On fait ça, mesdames et messieurs, demain avec Kenny en direct de ses studios. C'est des gros studios, on les visitera, ça fait entre 600 et 700 mètres cubes. Ouais, c'est en mètres cubes chez Kenny tellement c'est énorme. Ouais, exact. bref, donc,
Kenny, à demain. Bon après-midi. Nous, on va pas tarder à boucler de toute façon. Mais demain, oui, on fera tout en un. Donc, c'est-à-dire un live pour vous faire découvrir l'émission de Kenny. D'accord ? Bonjour, bonjour. Ouais. Parce que c'est important. Alors, en plus, je serai dedans. Je commencerai le cache-cache. Hein. Pendant qu'il fait l'émission, je cacherai dans les endroits. Sous dans le bureau. T'es sous le bureau avec le bureau qui bouge, tu vois. Que des endroits sympas. Et en plus de ça, attends, on est mardi demain ? Oh, j'ai rien. Oui. Non, j'ai rien. Ok. Et si, mardi. Non, c'est bon. Et en plus de ça, après, on fera un live cooking. Je sais pas ce qu'on mangera. Bah, tu te démerdes, tu ramènes à manger. Hein. Moi, ah, faut que je ramène à manger. Bah oui. Enfin, ou alors, on fait un live. Qu'est-ce qu'il y a dans ton placard et on se démerde, tu vois. Ah ouais, style, les gens donnent une recette. On va manger des bananes, jambon, Nutella, quoi. Ouais, recette du Gloubi Boulga, ça va être sympa. Ouais. Ok, la bonne ambiance. Un marché. On va voir. Écoutez, non, mais là vous me prenez au dépourvu quand la bise fut venue. Vous inquiétez pas. Au pire, je vais ramener des knackis et des pâtes. Ça sera le live le plus ouf de la planète. Ça va être dingue. Ok. Merci mon Kenny. À demain. Bien si à vous. Vous voulez cordialement. Bien. Cordialement dans ton. Voilà. Voilà. Veuillez accepter mes salutations distinguées. Hein. Allez. Vous... Au revoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On peut avoir le lien de son stream. Vous aurez tout demain sur Twitter. Alors si, excusez-moi, pareil, je n'ai pas compris, il faut m'aiguiller. Alors Facebook, je continue, hein, parce que c'est Facebook et tout, c'est rigolo. Twitter, ok, c'est vachement important, train d'être là. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est Instagram qui est au-dessus. Mais alors, j'y arrive pas, Instagram. Je sais pas que j'ai pas compris. Je dois être trop vieux, les gars. Je mets des photos, moi. Mais apparemment, faut pas mettre des photos, faut mettre des tags, faut aller chercher des gens, mettre des vidéos, mais j'ai rien invité. Moi. Donc demain, vous aurez toutes les infos sur Twitter ou Facebook. AlexClick TV sur Twitter ou Facebook. Voilà. Mais c'est con parce que c'est là où tu as les meilleurs OP apparemment Instagram. Mais voilà, qui veut le lien de la chaîne de Kelly, je vais vous la donner. T'as mais pas testé le nouveau filtre Instagram là qui est à la mode en ce moment? Ah, où t'es une nana? Ouais. Enfin, où ça change ton sexe. Ouais. Ah. Ouais. Mais voilà. Est-ce que je peux faire un live? Mais viens, on va chez toi, on fait un live. Moi, je vais faire ça comme émission, je vais venir chez vous. Vous avez des trucs à nous dire, hein, parce que... faire ça, j'irai dormir chez vous, cette émission. J'ai une idée d'émission. Tu sens le mec qui va te raconter de la merde, tu sais. Alors en fait, je vous explique, je mettrai les GoPro sur moi et j'irai... comme ça, je me baladerai, j'irai dormir chez vous. C'est une émission qui existe déjà, les gars. Pendant pour ceux qui ne savaient pas. Bref, mesdames et messieurs, j'irai manger chez vous. Moi, je voulais faire, j'irai gamer chez vous. Mais de toute façon, je suis nul au game. Alors, bref. Mesdames et messieurs, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à suivre mon MySpace. Merci Miss Gameuse pour le resub. 7e mois parmi nous. Donc, la programmation des prochains jours se situe comme suivant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Attendez, je viens d'envoyer une photo de SSV à ma femme, elle me fait c'est qui? Je fais non, c'est la machine, je viens de l'acheter. Une pub. Hop. Qu'est-ce que je disais? Oui, suis mon Skyblog. Donc, Twitter, Facebook, vous avez tout en dessous. Putain, pourquoi je vous le dis? Tu vas sous le lecteur, Jean-Claude. Tu prends le lecteur, tu vois le lecteur, c'est là où je suis. À droite, t'as le chat. Ok? On est bon. Jusque là. Tu descends, il y a écrit subscribe, ça, si tu veux payer. Donation, si tu veux envoyer des bits. Après, t'as Facebook. Ah ouais, YouTube, Insta. Ça renvoie sur Twitter. Mais vous avez après les logos Twitter, YouTube ou Insta avec le nom du truc. Et le Facebook, il n'y a pas Facebook. Ah, je ne mets plus en avant Facebook. Ah ouais, le craquage. Le craquage total. Ok, mesdames et messieurs, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. VLC des portes, Armand et Toboggan. Merci à Fox qui était là. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il était là. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Fox? Merci. Donc, Fox a dû se barrer. Non, non, il est mute. Ok. Il doit parler tout seul. Ah oui, mais je suis. Ah oui, ok. C'est pour ça, je me suis senti tellement seul en ce moment. Vous adorez me faire ça. J'étais là en mode bon. Ok, cool. Je disais, ça demande ton Minitel. Ok, Google. Non, parce qu'il y a Google qui. Ok, Google. Non, mais je déconne! Non, mais laisse-moi. Mon Minitel, 36-15 clics. Merci à toi, Fox. Est-ce que tu avais des choses d'intéressantes à nous dire aujourd'hui? Non, après, bah, c'est comme ce qu'on t'a dit dans le chat. Fais vraiment ce que t'as envie. Puis...
Ok. Donc, si vous êtes une marque aujourd'hui qui s'occupe de SSV, nous sommes intéressés pour travailler avec vous. Si vous êtes une marque de téléphonie, le mien fait la gueule. Et pour des lives mobiles, si vous êtes, merde, la marque de caméra, hein, l'autre, Vimo, pareil, Phone Me. Si vous êtes un office du tourisme et que vous voulez que je vienne montrer quelque chose d'insolite en live, de rigolo, que dis-je, Région Nantaise m'arrangerait dans un premier temps, hein, pour éviter les frais d'essence, parce que c'est pas donné l'essence, sans déconner. Le mec, il veut un SSV, mais il n'aime pas les frais d'essence. N'hésitez pas. Hey, call on me, me. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci à Okami Tenshi 2, 18e mois parmi nous. Merci à toi pour le sub. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de live ce soir. Il y aura du live quand il y aura du live. Et ça, c'est parce que vous aimez la vie, vous aimez le Jean Boursy. Je vous fais des bisous, je vous dis bon après-midi. Putain, ça rime. Et on se quitte en musique. Je ne sais pas si elle strike. Au pire, YouTube, je la couperai, j'espère. Quoique, j'ai un doute. Je vais vous mettre une musique standard. Des bisous à vous. Bon après-midi. Et puis, portez-vous bien. Merci, Fox. Heureusement, t'étais là pour la fin. Parce que je trouvais qu'à un moment donné, bah, ça devenait mou. Ça devenait mou. Mais ça, c'est la faute. Bah, portez-vous, hein. Ah oui, portez-vous. Ouais, oui. Avant, je disais niquez-vous. Mais pareil que non. Okay, let's go. So easy.